Alors les amis, bonjour à tous. Je comprends que nous sommes en direct, ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau projet d'investissement de la société Solar Group, un dirigeable de nouvelle génération. Aujourd'hui, le webinaire sera animé par moi, Pavel Philippov, responsable du département publicité et relations publiques de la société Solar Group, et bien sûr Fedor Konstantinov, qui est le responsable du projet des dirigeables de Nouvelle Génération. Et avant de commencer, je vous demande de mettre un like à cette diffusion et de faire un partage dès maintenant. Je le dis constamment, car c'est extrêmement important. Il est crucial que le plus grand nombre possible de personnes prennent connaissance de notre projet et y participent. Tout de suite, partagez et aimez immédiatement sur le réseau social où vous nous regardez. La diffusion principale se fait sur V Contact, nous allons principalement regarder les questions, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne officielle du projet des dirigeables de nouvelle génération, sur la chaîne Solar Group. Assurez-vous de vous abonner partout pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Il faut le plus de spectateurs pour que plus de gens découvrent notre projet. Et cela se produira. Je suis sûr qu'il y aura des centaines de milliers de personnes lors de ces webinaires. Après que nous vous aurons pleinement présenter ce projet, car nous n'avons pas encore de site officiel entièrement prêt, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'emballage, du projet lui-même. Vous n'en apprendrez plus sur ce projet que lors de ce webinaire, donc vous avez beaucoup de chance d'être ici, car maintenant, puisque nous venons de commencer, nous préparons le projet. Nous sommes en phase de pré-lancement avec des conditions d'investissement super intéressantes que vous pouvez obtenir aujourd'hui, donc, vous avez de la chance d'être ici. Je vous propose de passer directement au cœur du sujet. Quel est donc ce projet de dirigeable de nouvelle génération Prévoit-on vraiment de faire revivre les dirigeables en Russie et peut-être même dans le monde Je dirais que oui, car il y a actuellement des entreprises dans le monde qui essaient de fabriquer des dirigeables et elles en fabriquent même. Mais je suis convaincu que notre équipe est plus forte et que nous les dépasserons certainement. Et Solar. Solar Group a longtemps cherché un projet à développer, en plus de la société Sobolmash. Et Fedor était justement responsable de ce domaine. Il a échangé avec un grand nombre d'inventeurs, d'universités et d'équipes d'ingénieurs qui proposaient des directions dans lesquelles il était possible d'avancer, mais nous nous sommes tout de même arrêtés sur les dirigeables. Et j'aimerais ici poser une question à Fedor et ainsi commencer notre présentation. Fedor, dis-moi. Pourquoi les dirigeables Bonjour à tous. Pache, salut. Pourquoi les dirigeables, après tout Parce que c'est la technologie la plus cool, la plus vaste, si l'on peut dire, la technologie que nous recherchons. La technologie de l'aérostat, la technologie logistique, la technologie aéronautique, c'est vraiment ce que nous avons trouvé de plus vaste. Et dans une version suffisamment aboutie et emballée, je vais maintenant expliquer en détail et précisément, différents développeurs sont venus. J'ai un développement, quelque chose que j'ai théoriquement calculé, mais je n'ai pas encore réalisé d'expérience. C'est donc à partir de rien du tout, il n'y a que la théorie, la fantaisie, les mathématiques, et c'est déjà bien. Des gens sont venus avec des produits semi-finis, d'autres avec un produit unique prêt. Mais c'était, par exemple, quelque chose de complètement nouveau. J'ai déjà parlé de cela, je vais le répéter. Un développeur en radio-cracking du pétrole est venu nous voir. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des usines où se fait le craquage du pétrole. En gros, on remplit une piscine de pétrole. Il y a un processus technique des évaporations à des températures spécifiques et ainsi de suite. Il y a une énorme usine qui transforme le pétrole en diverses fractions légères, en essence, en kérosène et autres. Il avait un développement, oui, il avait déjà une théorie, il avait déjà une version physique, mais c'est une implantation, là où tout est déjà occupé, où travaillent de grandes et très importantes usines, de grandes et très importantes entreprises. Réinventer les processus techniques de notre côté serait s'engager dans une concurrence féroce. D'ailleurs, nous avons également invité cette personne à quelques webinaires. Il a participé à une conférence et il a été repéré par Gazprom. En collaboration avec l'Institut pétrolier et gazier de Gubkin. Ils l'ont recruté, lui ont attribué des postes et des salaires et lui ont dit Voilà, nous t'avons entendu. Avant, ils frappaient à la porte. En gros, ils l'ont emporté et c'est bien car nous aurions dû lutter contre une grande machine. Et de tels cas se sont produits. En ce qui concerne le dirigeable, il faut d'abord noter qu'il volait déjà depuis longtemps, il y a 100 ans, tranquillement à travers l'océan Atlantique. Ils ont également volé dans l'histoire moderne. En Russie moderne, ils étaient construits dans l'Union soviétique, mais aussi en Russie moderne. Dans les années 90 et dans les années 2000, il y a toute une équipe d'ingénieurs qui s'est occupée de cela. Il existe toutes les recherches théoriques, les processus techniques, les constructions, etc. Et le dirigeable ne concurrence personne. Conditionnellement, évidemment, les secteurs de l'aviation seront un peu choqués par leur apparition, mais cela leur sera aussi d'une certaine manière bénéfique. Ils ont une entreprise d'exploitation qui s'occupe des avions, des hélicoptères et du transport de marchandises. Ils vont simplement avoir un autre aéronef avec des caractéristiques uniques, c'est-à-dire qu'il ne se bat pas comme le ferait cette installation de radio cracking dont je n'ai pas encore parlé, elle était vraiment petite de la taille d'un réservoir que l'on transporte sur des wagons de marchandises. Tu la places directement sur le puits et elle utilise des champs électromagnétiques à micro-ondes et des électrons accélérés pour briser les molécules. En fait, tu ajustes les paramètres d'accélération de ces faisceaux et à la sortie, tu obtiens déjà directement du puits une composition prête à l'emploi que ce soit de l'essence à indice d'octane élevé ou même plus. en gros, cela annulerait alors le besoin de ces usines. le dirigeable n'annule absolument pas les avions. il n'a pas l'intention de les concurrencer. l'avion est déjà prêt, tout fonctionne. ce sont des transports rapides à longue et à courte distance. ici, dans notre pays, il n'y a pas de proches. dans l'union soviétique, on pouvait voyager d'une région à l'autre. ce n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire qu'à cet égard, nous ne sommes pas en concurrence, mais nous complétons plutôt l'industrie. En termes de vitesse de transport, un avion est beaucoup plus rapide qu'un dirigeable. C'est aussi clair pour tout le monde, nous ne sommes pas en concurrence ici, il vole beaucoup plus lentement, mais il peut transporter beaucoup plus et le livrer à un prix complètement différent. C'est-à-dire qu'encore une fois, les entreprises opératrices qui s'occupent du transport aérien de passagers disposent par exemple d'un outil supplémentaire. Pour résoudre leurs propres problèmes concernant le transport de marchandises volumineuses, pour la livraison d'un endroit à un autre, par exemple, prendre d'un endroit et transporter à un autre. Général, pourquoi des dirigeables C'était une technologie prête, déjà éprouvée par temps. Elle ne concurrence personne, elle complète seulement. En fait, il y a vraiment une très forte demande sur le marché pour ce type de service. Je vais expliquer plus en détail un peu plus tard, mais en général, la demande est énorme, l'équipe est en place et elle ne concurrence personne. Et elle se trouve ici, dans notre pays, à un stade bien zéro, à ce stade où le grand capital ne l'a pas encore prise, encore. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont construit ces dirigeables et ont volé avec eux dans les années 90 et 2000. Mais ils travaillent tous maintenant, gagnant simplement leur vie comme des gens ordinaires, parce que là, en fait, peut-être que cette histoire se dévoilera un jour, mais le problème était, ils se sont dispersés comme un collectif qui fabriquait des aéronefs plus légers que l'air, c'est-à-dire des dirigeables. Et ils se sont séparés pour des raisons plus managériales et administratives que parce que le dirigeable n'était pas demandé ou qu'ils le construisaient mal ou pour d'autres raisons. En gros, bah, c'est la gestion administrative qui a mal tourné pour faire court. Et maintenant, ils travaillent tous dans différents domaines. Certains enseignent à l'MAI, d'autres sont dans des corporations, certains dans le spatial, d'autres dans le secteur pétrolier et gazier, comme ceux qui sont à la retraite depuis longtemps. C'est une phase zéro, il est impossible d'attirer de gros investissements, par exemple des fonds publics ne peuvent pas être attirés, ou ceux d'une corporation privée, car la corporation demandera où investir l'argent. Il y a, oui, une entité juridique pour l'un, un dirigeable pour l'autre, mais ils n'ont rien fait depuis longtemps, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'employé dans l'entité juridique. Il dit, eh bien, donnez-moi l'argent ici, et je vais recruter un, deux, trois, et c'est généralement là que tout s'arrête. Parce qu'un grand investisseur veut, bien sûr, se rendre dans un local, voir que tout fonctionne, que tout est prêt, que c'est une base pour recevoir de grosses sommes d'argent rencontrer toute la direction, se familiariser avec la ligne financière, la ligne comptable, la ligne de conception et la ligne de production. Voir que tout cela est en place et solide et seulement alors investir de l'argent. C'est dans un cadre classique, dans des situations classiques. Maintenant, chez nous, la situation n'est pas du tout classique et un grand investisseur ne veut pas entrer, même quand il est convaincu qu'il y a ceci, cela et cela. Maintenant, il demande déjà un appareil de type AGPV. Eh bien, en ce moment, la situation est telle qu'elle va bientôt changer, tout est clair, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne le crowdfunding, et pourquoi le crowdfunding C'est vraiment ici que l'on trouve le plus de projets de capital risque. Nous avons tout ce qu'il faut pour tout rassembler et démarrer dès le premier stade. Et comme il est à un stade nul, le potentiel de retour financier sera en fait extrêmement large, enfin très, très énorme, comme on peut l'appeler c'est-à-dire en fondant, euh, sans créer une invention distincte, par exemple, si tu ne construis pas même une production conditionnellement en série ou une production de masse de certaines choses hyper nécessaires qui sont indispensables à tous, tu n'atteindras pas un tel succès financier et un tel retour financier que si tu fondais toute une industrie, c'est là où se trouve le développement, la production et bien sûr leur exploitation commerciale ainsi que leur vente directe, c'est-à-dire le commerce, et pas dans un seul pays, mais dans tous les pays, et vous offrez également des services en matière de développement, car des entreprises externes viendront, elles ont besoin de résoudre des problèmes logistiques, et il y a beaucoup de ces entreprises, et il n'y en a pas seulement suffisamment dans notre pays, mais il y en a une quantité incroyable dans le monde entier. Et eux, ayant compris que le premier appareil capable d'exécuter des tâches a pris son envol, que celui-ci possède des caractéristiques techniques et que l'équipe est capable de cela, viendront avec leurs propositions, tandis que ma tâche est de transporter cela d'ici à là, et ce ne sera pas une solution standard, bien qu'il y en ait aussi des standards, mais par exemple quelque chose d'unique, c'est-à-dire nécessaire pour un itinéraire spécifique, avec des altitudes, des vents constants, des régimes de température et un certain chargement permanent. Cela sera un appareil unique, conçu pour des tâches spécifiques. Le secteur est de loin beaucoup plus rentable, extrêmement rentable que quoi que ce soit d'autre, et tous ces facteurs se sont naturellement agencés devant nous. Il était donc parfaitement logique, absolument logique, de commencer. Et un point très important, il se trouve que nous aimons tous les dirigeables. Évidemment, nous les aimons tous. Certainement, peu de gens en ont jamais entendu parler, savent tous les voir ou les ont aperçus, mais quand on parle de dirigeable avec les gens, tous ressentent une chaleur intérieure pour cet aéronef. Il semble paisible, c'est-à-dire que si le dirigeable est dans le ciel, tout va bien, il semble un peu féerique, romantique, etc., pour le grand public. Et très souvent, cela est recherché sur Google ou Yandex plus de 100 000 fois par mois, simplement parce que quelqu'un cherche un dirigeable. Sur YouTube, les gens regardent des vidéos qui ont des millions de vues sur les dirigeables. Il y a une forte demande sur la planète chez les gens ordinaires, y compris moi, pour savoir où se trouve le dirigeable. Tout le monde comprend que si il y a 100 ans, il volait déjà, alors prenons une voiture vieille de 100 ans et une voiture moderne, et comprenons que si les dirigeables, il y a 100 ans, avaient déjà des restaurants à travers l'Atlantique, que peut-on donc faire aujourd'hui il y a une demande, il y a toute la base, pour ainsi dire, tout est à notre disposition pour résoudre cette tâche. Et c'est pourquoi j'ai pris autant de temps à expliquer pourquoi, après tout, ce sont en fait les dirigeables. Oui, Fédor, dis-moi, certaines personnes se posent la question, tu dis que ça existait avant, mais maintenant ce n'est plus le cas. Quelle est la raison pour laquelle les dirigeables n'ont pas évolué pendant si longtemps hmm. C'est une sorte de dimension philosophique. Les voitures électriques sont apparues en premier. Il y avait aussi des moteurs à combustion interne, de la vapeur, ainsi que des voitures électriques et des motos. Puis, elles ont complètement disparu du marché. Et maintenant, on nous présente la voiture électrique comme moderne. Pourtant, elles avaient disparu autrefois. Visiblement, il manquait des technologies, il manquait des accumulateurs, il manquait des ordinateurs, des accumulateurs d'énergie, il manquait des ordinateurs. Mais à l'époque, il fonctionnait déjà, mais apparemment, il n'atteignait pas certains critères de qualité consommateur et le moteur à combustion interne s'est avéré plus facile à gérer, par exemple dans la fabrication. Comme on dit, tout à son temps. C'est la même chose avec le dirigeable. Il volait avant, il était utilisé auparavant, mais un ensemble de méthodes modernes, de technologies, de matériaux, d'ordinateurs et de beaucoup d'autres choses Peut le propulser à un niveau complètement nouveau, je suis sûr que nous ne réalisons même pas à quel point ces appareils seront vraiment très incroyablement modernes et impressionnants. Dans 5 à 10 ans, les technologies évoluent très rapidement, où sont-elles passées Beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories. Elles ont disparu quelque part. Tout nouveau et bien vieux oublié heureusement personne n'a oublié le dirigeable et il reste encore des équipes de conception et surtout le plus important c'est que le monde entier commence à les construire la Chine les construit les américains construisent les anglais construisent les français construisent les français exploitent déjà de petits drones basés sur des dirigeables en Afrique et les chinois aussi nous avons obtenu la certification du premier aéronef une copie complète de notre modèle russe qui a été construit par nos ingénieurs dans les années 2000 le monde entier est de nouveau en mouvement, donc la question est, où sont-ils passés Et avec le contexte que oui, ils ont disparu, mais peu importe, ils ne nous sont pas nécessaires. Mais non, ils sont nécessaires, et le monde entier l'a déjà accepté. Il y a une bonne vidéo réalisée par un blogueur américain, que nous avons partagée sur tous nos réseaux sociaux, nous pouvons la partager encore une fois. Il examine également les dirigeables, il n'est pas intéressé, il fait simplement des critiques. C'est un technoblog, et il dit ⁇ Waouh !⁇ C'est une chose incroyable, il est en contact avec un expert, ils discutent ensemble en ligne, pourquoi pas, et tout le monde est d'accord. Et il reçoit là-bas, du côté occidental de tous les experts, la confirmation que c'est une chose économiquement nécessaire. Donc ils ont disparu pour réapparaître. Peux-tu en dire un peu plus exactement sur les domaines d'application potentiels ils ne sont donc pas, comme tu l'as dit, un remplacement pour les avions. C'est leur complément. Dans certains domaines, ils peuvent être plus intéressants, plus efficaces que ceux qui existent aujourd'hui. Y a-t-il des exemples concrets d'application des dirigeables, par exemple dans différents domaines Eh bien, tout récemment, je comprends notre camarade qui croit aussi aux dirigeables et marche avec nous vers le moment où ils voleront et je dois dire que c'est une perspective fascinante et pleine de promesses pour l'avenir. Un récit détaillé et complet est arrivé, peut-être même un essai, expliquant en détail pourquoi des cliniques mobiles innovantes, un centre médical mobile avancé, seront mises en œuvre sur des dirigeables modernes. Voici simplement une personne qui s'est assise, a réfléchi et a décrit très en détail ce que nous avons actuellement des trains médicaux, des bus médicaux et ainsi de suite. En gros, la Russie est vaste, il y a de nombreux endroits éloignés et il n'est pas toujours possible de fournir des services médicaux de qualité partout. C'est une réalité et cette tâche doit être résolue. Des points mobiles sont créés, mais ils ne sont pas aussi mobiles que le dirigeable. Il n'y a pas de route partout, il y a des endroits où la route est telle que le laboratoire médical n'y parviendra pas encore. Dieu sait ce qui va lui arriver. Il y a des endroits où il n'y a même pas de route et il faut se rendre quelque part. À la fin des fins, sur ces bus, ces trains, admettons, mais à quel point cela serait-il plus sûr À quel point cette polyclinique, ce laboratoire médical sur le dirigeable, pourrait-il être plus accessible s'il décollait d'un centre de district, d'un hôpital de district, certainement par exemple, et j'aurais traîné tout un hôpital comme ça, je serais passé par le parcours et j'aurais fourni des services médicaux à la population, et il y aura un nombre infini d'idées différentes et variées sur ce que le dirigeable peut transporter et des possibilités infinies, comment cette histoire va-t-elle se dérouler De la même manière que pour l'ordinateur, lorsque la technologie de l'ordinateur est apparue, seuls les informaticiens s'y intéressaient. Il code quelque chose là-bas, pensant à quelque chose d'incompréhensible. Ce n'est certainement pas un smartphone, ce sera une tablette, ce sera un réfrigérateur intelligent. Tout le monde connaît cette histoire. Au départ, l'ordinateur était exclusivement destiné aux geeks, puis sont apparus des génies comme Steve Jobs, Bill Gates et ainsi de suite. Qui ne comprend pas quoi là-bas il a simplement adapté tout cela pour l'utilisateur, comme un visionnaire. Il est venu et a dit ⁇ Regarde, c'est nécessaire pour tout le monde. Pourquoi ?⁇ Je vais expliquer. Attendez. Et puis, petit à petit, un nombre infini d'applications pour l'ordinateur est apparu, et il en sera de même pour les dirigeables. Nous allons seulement montrer les capacités de cette plateforme aérienne. Sa sécurité, son écologie, ses possibilités de décollage vertical, de stationnement en vol. Ainsi que de rester suspendu à un point pendant quelques jours, de parcourir des milliers de kilomètres. Nous allons simplement montrer ses capacités. Les gens dans le monde entier avancent, tous cherchent des solutions, et ils auront ainsi un nouvel outil pour résoudre leurs problèmes ou réaliser leurs idées. Et je suis sûr qu'il y en aura réellement un nombre infini. Cela pourrait être, je ne sais pas, une salle de concert volante. Pourquoi pas Cela peut être le transport de tours déjà assemblées pour les lignes de transport d'électricité. Cela peut inclure divers types de surveillance des croisières ou encore la livraison de béton sur un chantier par exemple. En gros, pourquoi pas On peut même le verser par-dessus. Mais tout cela n'est que des bêtises, de la science-fiction. Il est évident qu'il y aura des exigences plus strictes, disons techniquement. Cela sera réel par endroit, cela ne sera pas immédiatement réel ailleurs, et dans certains cas, cela sera complètement irréel, mais il y a vraiment beaucoup de domaines d'application dans l'ensemble, notre vie. Eh bien, sur la planète, la civilisation humaine s'est développée de telle manière que nous sommes finalement une civilisation logistique. Nous avons des villes le long des routes, nous prenons ici et nous donnons là-bas, et donc, le processus de transport de marchandises sur la planète est fondamental tout se fait en large coopération et le dirigeable est l'un des moyens les plus cools pour vraiment déplacer des choses sur la planète. Un nombre infini de différentes options sera disponible. Eh bien, peut-être que nous devrions alors passer à ce que nous faisons. Oui, tu parles d'un nombre infini d'options alors que nous savons déjà exactement par où nous allons commencer, comment nous allons en tirer profit et pourquoi nous pensons que cela sera nécessaire sur le plan commercial, rentable et lucratif. Parle-moi de l'entreprise qui est en train de se créer, de ce qu'est cette entreprise, qui y participera, qui sont ces personnes, quelle est l'équipe, et ce qui sera créé dans le cadre de cette entreprise. Alors, quelle est cette entreprise et qui sont ces gens Laissez-moi vous expliquer. Il s'agit d'une entité juridique russe dont l'un des fondateurs est un représentant de l'investisseur collectif Solar Group. Dans la seconde moitié, ce sont justement les réalisateurs du projet qui entrent en jeu. Ce sont des concepteurs, des producteurs, des cadres supérieurs, même si je n'aime pas vraiment les appeler ainsi. En gros, ce sont des personnes qui vont organiser les processus. Il est tout à fait probable que ce soient bien des instituts sectoriels, car une large coopération est tout de même prévue et il y a des accords avec le même nami qu'il aimerait faire partie de cette entité juridique. en gros, d'un côté, il y a l'investisseur représenté par solar group et de l'autre, l'équipe de réalisateurs. concernant l'équipe de réalisateurs, je le répète, ce sont les mêmes concepteurs qui l'ont déjà fait auparavant. Eh bien, il est évident que cela implique de manière significative la production, et il est très clair qu'une équipe jeune et super moderne sera recrutée, et tout cela sera un bureau d'études, mais ce ne sera même pas un bureau d'études, ce sera en fait une entreprise réalisatrice du projet. Elle concevra le dirigeable, elle le construira, et elle construira également des hangars pour son exploitation. Il est naturel que tout cela doive être développé de façon extrêmement significative. Pour faire simple, il s'agit en fait du bureau d'études principal et central. Il y a notamment une division de conception, une division de production, une division de construction et une division d'exploitation. Nous sommes en réalité en train de former cette structure. Elle se forme encore selon le schéma classique soviétique, comme tout était organisé auparavant, mais déjà avec des touches, des réalités modernes. Le bureau d'études, que nous allons appeler ainsi pour ce projet, rassemble en un seul endroit toutes les personnes capables de concevoir ces dirigeables et de gérer le processus de leur conception. Ce ne sera pas le cas où nous allons simplement asseoir les concepteurs dans une pièce. En leur disant, Concevez un dirigeable et qu'il s'assoit là, géniaux, peu importe combien ils sont, même s'il y en a 100, et qu'ils le conçoivent. Non, la conception de tels grands appareils se fait en effet en collaboration avec des instituts très spécialisés et également un institut s'occupe de l'aviation, un institut s'occupe des enveloppes, moteurs 4, 5, 6, systèmes de carburant et mathématiques. C'est-à-dire que c'est un bureau d'études, il est en quelque sorte le principal, c'est le centre de compétences. Et il gère déjà, distribue des tâches techniques, élabore conjointement le projet préliminaire. Le projet préliminaire a été élaboré, il est harmonisé avec tout le monde, tout est prêt, on peut avancer. La prochaine étape, c'est le prototypage, la production et autres. Voici le bureau d'études. Et à côté, ce n'est pas seulement un bureau d'études, il y a aussi des techniciens, car ce que les concepteurs ont conçu est eh bien. Mais il faut aussi le produire. Les techniciens ont les mains plus liées que les concepteurs. Ils doivent comprendre de manière précise quel équipement, en quelle quantité, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et détailler. Un bureau d'études sera créé dans le cadre de ce projet important. Ce sera le noyau, la société mère, en fait, en quelque sorte. Oui, ici il y a d'autres choses qui se créent. Il y a la terre, deux hangars, une production, une école et des projets d'affaires externes. Ces mots extérieurs ne me plaisent pas dans cette présentation, mais nous allons expliquer cela maintenant. C'est-à-dire qu'une fois que le bureau d'études sera créé, il est déjà en cours de création, des espaces sont loués. Nous en dirons plus bientôt, nous montrerons, nous filmerons des vidéos et nous réaliserons un large aperçu. La question se pose immédiatement. Oui, ces appareils ont besoin de hangars. Et pour cela, il faut de la terre pour les installer quelque part. Dans le cadre de ce projet que nous appelons pour l'instant dirigeable de nouvelle génération, nous prévoyons de nommer cette société réalisatrice Nova ou Aeronova. Nous travaillons actuellement sur la marque, mais ce n'est pas notre première priorité. En réalité, nous nous concentrons davantage sur la structure juridique. Ainsi que sur les aspects administratifs et financiers. Toutes ces choses avancent, mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Le nom sera Nova ou. Un autre choix, c'est une demande que j'ai déjà faite des centaines de fois, pas seulement moi. Vous les envoyez, et pour l'instant, Nova est en tête. En gros, pour ce projet de dirigeable de nouvelle génération, nous avons besoin de terrain, et j'ai déjà expliqué cela. Pour ceux qui ont déjà entendu, Ayez un peu de patience et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais expliquer qu'il y a plusieurs options. La première option, bien sûr, est d'acquérir son propre terrain. Il faut environ 100 hectares, de préférence environ 200 pour que le terrain soit plat, sans collines et idéalement sans forêt. Il est possible d'avoir des plans d'eau, même si c'est nécessaire pour qu'il y ait un lac ou une large rivière car les dirigeables se posent idéalement sur l'eau sur une surface calme et paisible en fait vraiment très calme ensuite il y aura toutes sortes de mâts d'amarrage de champs de dispositifs d'ancrage mais sur l'eau c'est vraiment le plus impressionnant le plus génial et ce sera présent dans chaque dirigeable que ce soit sur l'eau ou ailleurs en gros la première option est d'acheter un terrain la deuxième option est de louer un terrain et la troisième option est de s'associer avec ceux qui possèdent déjà un terrain, par exemple. Et de telles propositions viennent de nombreux aérogardes. Dans ces aérogardes, certaines personnes sautent en parachute, d'autres volent en parapente, et ailleurs on forme des pilotes de cette aviation légère privée avec des hélicoptères, des avions, etc. En général, il y avait beaucoup d'aéroports dans l'Union soviétique, car cette aviation légère était bien développée. Il y a beaucoup d'aéroports entre les villes, les régions, etc. Ils sont tous privatisés. Enfin, peut-être pas tous, mais en gros, la grande majorité, et à l'époque, tout cela était facile tant dans les années 90 que dans les années 2000. Maintenant, quand tout cela... Le mécanisme gouvernemental se stabilise, la réglementation s'organise, et les coûts indirects liés à ces aérogardes augmentent. Et pour certaines personnes, il est tout simplement devenu coûteux de le garder et de l'entretenir. C'est précisément ces personnes qui se tournent vers nous et disent ⁇ Nous avons Aérogare, les gars, réfléchissons à comment l'utiliser pour vos objectifs. Regardez les espaces. ⁇ Et de telles propositions viennent non seulement de Moscou, mais aussi des régions voisines et du Sud. Même des appels sont reçus, disant qu'il y a en général beaucoup d'options. Et donc, c'est actuellement une fourchette de gestion administrative pour nous. Quel chemin emprunter Naturellement, nous choisissons le premier chemin, le plus rapidement réalisable et le moins coûteux. Il est donc naturel de s'associer avec quelqu'un pour ne pas enterrer de l'argent dans ce terrain, dans ce travail administratif pour obtenir des autorisations, car il est nécessaire de formaliser ce terrain, certainement, une quantité infinie en gros de termes bureaucratiques et de paperasses. Et cela prend du temps. Bon, le temps, en gros, c'est de l'argent et une ressource. Et pour ne pas dépenser cela, il est naturellement plus simple et logique, au début, de s'associer avec quelqu'un qui a déjà ce terrain enregistré, comme Aérogare, où les vols sont déjà autorisés, et nous nous associons simplement avec eux. Eh bien, le partenariat, c'est un entrelacement d'entreprises. Nous entrons chez eux pour un pourcentage, et ils entrent chez nous pour un pourcentage dans la fondation. Et c'est tout. Et nous sommes déjà en train de construire le premier hangar. Sur notre aérogare, voici les pourcentages et autres. Tout cela est encore en cours de négociation. Dès que tout sera fermement signé, nous l'annoncerons naturellement. Et c'est le tout premier pas logique, mais il est très probablement certain que cela soit fait dans le cadre de cette première, disons, étape globale. Ce sont les montants que nous avons annoncés, ce sont les délais. Globalement, il est probable qu'une autre option, concernant l'acquisition de terres propres, sera également examiné d'ici la fin du projet car il faut beaucoup de bases. Ils sont en fait nécessaires dans chaque région et dans certaines il en faut plusieurs et pour différents dirigeables, différents. Mais dans ce projet, il est pour l'instant question de la construction de seulement deux hangars pour deux types d'appareils. C'est justement là que nous passons au point suivant. Donc en ce qui concerne le sol, c'est clair. Nous allons probablement nous associer à quelqu'un et y installer deux hangars successivement. Le premier pour le premier type d'appareil, pour un petit yacht volant, mais c'est ainsi qu'il s'appelle, en réalité il est grand. Eh bien, le dirigeable lui-même a de la place à l'intérieur pour six personnes, plus il y a des toilettes et une petite cuisine. On peut s'y déplacer. Ce n'est pas une voiture dans laquelle tu es assis, c'est tout de même plus que ça. Plus d'espace qu'un minivan, mais conçu pour six personnes, confortable, avec des déplacements à pied, comme même pas un hélicoptère. Le dirigeable est à 6 places, c'est la première. Taille du petit yacht, il est petit, sans risque, et c'est de là que nous commencerons. Il peut soulever une tonne. Avec une telle nacelle pour six personnes, c'est-à-dire une tonne d'eau, de nourriture, de quelque chose d'autre avec soi, de bagages, de prendre un certain équipement, dans sa version dépouillée, sans cette gondole passager, il peut déjà soulever 2 tonnes de charge et se déplacer en mode sans pilote, mais c'est un type de taille de dirigeable, c'est une plateforme et c'est précisément pour elle qu'il faut installer un hangar. Un hangar n'est pas une production, un hangar n'est pas un garage. Comme beaucoup le pensent, ce n'est pas parce qu'un dirigeable a besoin d'un garage pour y être stationné. Non, il peut vraiment rester tranquillement comme un avion dehors et rien d'eux. Critique ne lui arrivera. Un héline e est en fait à la fois un centre de service et un atelier d'assemblage. Dans une large coopération, tous les composants nécessaires sont fabriqués, allant de la nacelle jusqu'à ses moteurs, hélices, systèmes de gaz, vannes, électroniques, équipements de bord. Tout y passe, tout est rassemblé dans les lignes. Le hangar est conçu de telle manière que l'espace permet de réaliser l'assemblage du dirigeable. Il y a l'équipement nécessaire. Pour cela et en général, il est conçu pour l'assemblage, la maintenance technique et la réparation. Tous les composants sont arrivés il sera assemblé dans environ une semaine ou deux, car tout est déjà prêt. Le dirigeable est sorti de l'élinc et théoriquement, il n'a besoin d'y retourner que pour l'entretien. Selon la documentation technique, Fourni avec cet appareil, il est nécessaire d'y aller une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines. Par exemple, et tout le reste du temps, les appareils suivants peuvent être fabriqués dans les lignes. Cela sera fait. Le projet prévoit qu'Eling produira en série de manière continue ces petits yachts. Pour la première année, jusqu'à environ 12 unités par an. On en assemble un, on le sort. On assemble le deuxième, on le sort. On assemble un, on le sort. On assemble le deuxième, on le sort, il est conçu pour être biplace, qu'on puisse assembler un, l'autre est amené pour l'entretien. Voilà, c'est la première chose qui se construit. Et dès que cette chose sera construite, comment sera-t-elle construite Encore une fois, notre bureau d'études délivre un cahier des charges techniques très précis ou même le développe en collaboration avec l'institut spécialisé que nous avons. Dans le pays, il y a un spécialiste que je regroupe sous ce terme qui construit des hangars pour avions dans les aéroports, tant pour les civils que pour les militaires. Et il faut des licences spéciales, une multitude de choses. Et il s'occupe de leur développement. Et ce hangar est élaboré en collaboration avec eux, toute la technique. Et ensuite, une entreprise de construction ordinaire peut s'en charger. Mais il y a quand même certaines questions. Il y a des subtilités aéronautiques très spécifiques. Les constructeurs ordinaires s'en sortiront, bien sûr, bétonner le site, ériger la structure métallique, et ainsi de suite, et ainsi de plus. Mais en général, tout cela sera créé en coopération avec eux. Et dès que le premier hangar sera construit, le deuxième sera également conçu en parallèle et commencera à être construit. Et tout cela est inclus dans le coût du projet, que si vous ne le savez pas encore, nous le montrerons un peu plus tard. Encore un peu sur le premier hangar, dans le premier hangar étant donné que ce sont des modèles de nouvelle génération. Nous intégrons la possibilité d'atterrir sur le toit, comme vous avez déjà pu le voir dans des films, et certains l'ont même vu en direct. Cela est également courant en Russie. Dans certains complexes résidentiels, des héliports ont été construits sur les toits, et donc, il est possible de créer de nouveaux complexes résidentiels ou de modifier les héliports existants. Pour l'atterrissage des dirigeables, c'est-à-dire que le dirigeable peut atterrir sur le toit, c'est sûr, et nous allons le démontrer précisément lors du premier rallye-lingue. Un appareil en sortira, effectuant un vol d'essai ou déjà touristique, après que les essais en vol auront été réalisés, et il atterrira sur le toit. Il atterrira sur le toit où il y aura un dispositif spécial qui sera rotatif, car le dirigeable doit se positionner face au vent. Et sur ce même toit, il va atterrir, pour ainsi dire, s'amarrer, se poser. En fait, vraiment... Tous les types de tailles de dirigeables que nous montrons ainsi démontrent l'universalité de ce concept. Regardez, il y a une plateforme aussi bien petite que grande, et même hyper grande, tout est universel. Tout se pose sur un même toit. Sans exercer de pression dessus, rien ne se passe. C'est le perfectionnement de la technologie. Nous allons construire le deuxième hangar sans cela. C'est suffisant pour le premier. Le deuxième sera un peu plus grand, pour le prochain type de taille d'appareil. Oui, nous en parlerons un peu plus tard en quelle quantité ils seront créés, mais pour le suivant, cela s'appelle déjà un 10 tonnes conditionnel. En fait, bien qu'il pèse 10 tonnes lorsqu'il est en version touristique ou passager, ou même en version cargo-passager quand il est exclusivement en version cargo, encore une fois, comme dans le premier cas, si la nacelle avec un espace intérieur conçu pour les personnes n'est pas nécessaire, c'est-à-dire les systèmes également conçus pour les personnes, tout cela a un certain poids. Et donc le modèle de 10 tonnes en version touristique peut transporter 10 tonnes de passagers, de provisions et d'autres éléments associés. Tandis que dans la version sans pilote, il peut transporter 15 tonnes. Il peut déjà transporter des cargaisons. Cela est prévu très probablement comme l'appareil qui sera produit en masse, parce qu'une infrastructure de marché pour la demande a déjà été créée pour cela, parce qu'à de telles dimensions, poids et charges, il est déjà très souvent courant dans le monde de transporter par hélicoptère. Voici l'hélicoptère le plus produit en masse, le Mi-8, qui peut transporter jusqu'à 4 tonnes, conditionnellement sur une certaine distance pour un certain coût. Un modèle de 10 tonnes, dont le coût de production est inférieur à celui du Mi-8, peut transporter 10 tonnes dans le cargo Mach 15, beaucoup plus loin, à des vitesses à peu près similaires conditionnellement, un peu plus lentement s'il y a un vent favorable, un peu plus rapidement, et beaucoup moins cher qu'un hélicoptère, et les hélicoptères ont encore une fois créé un marché. Ainsi, lorsque quelqu'un résout son problème, qu'il soit d'ordre commercial, technologique ou logistique, il regarde les outils qu'il a à sa disposition. Il se dit ⁇ Ah, j'ai un hélicoptère qui peut transporter 4 tonnes, par exemple, tout, je l'utilise et un certain processus commercial s'établit. Quelqu'un conçoit quelque chose et il se dit ⁇ Quand je conçois cela, je dois penser à comment je vais le livrer. ⁇ Ah, en hélicoptère, 4 tonnes, et il le conçoit pour l'hélicoptère. Et donc pendant que ces hélicoptères étaient créés, utilisés et qu'ils sont actuellement en cours de création et d'utilisation, ils forment autour d'eux un marché de services et donc il est très avantageux de lancer cet appareil sur ce marché des services. Avec cette taille et ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il surpassera en termes économiques, techniques et autres indicateurs tout ce qui existe sur le marché et démontrera de nouveaux principes. C'est-à-dire qu'il, d'une part, transportera plus, d'autre part, plus loin, troisièmement moins cher, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement. Il est évident que, logiquement, des modèles de 20 tonnes, 40 tonnes et même 70 tonnes devraient apparaître. Mais ce n'est pas garanti, car il est tout à fait probable que la prochaine dimension économiquement viable se situe beaucoup plus loin, ici à 10 tonnes, et là à 200, par exemple. Tout cela est décrit par des économistes et des analystes qui estiment que c'est probablement le cas. Mais dans tous les cas, il est nécessaire de passer par ces dimensions. Avant d'atteindre des tailles aussi grandes, car 10 tonnes, c'est bien, mais on ne peut pas simplement construire une maison de campagne et se précipiter pour construire un gratte-ciel. Il faut une certaine expérience, une technicité, etc. Il y a des tâches pour des appareils de 20, 40, 50 tonnes, mais elles sont très spécifiques et les appareils seront également créés par la suite. Par exemple, ce sont justement ces projets d'affaires externes comme cela a été écrit. Mais il est peu probable qu'ils soient en série, ce seront plutôt des démonstrateurs de technologie pour le client, si le client se manifeste, et aussi pour que nous puissions acquérir de l'expérience en nous approchant de grands appareils. Si un client arrive et dit, voilà, j'ai une tâche pour transporter 20, 30, 40 tonnes, j'ai vu que vous pouvez le faire, et nous, on répond oui, nous pouvons, et ensuite on passe à autre chose, mais bien sûr, nous ne refuserons pas de le faire pour vous. C'est tout à fait logique. Alors, en gros, moi, je me suis un peu écarté de Hangar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il est écrit production. Cela se crée dans le cadre de ce projet. Mais la production n'est pas envisagée dans le sens où nous allons construire une usine, car nous avons encore besoin d'un terrain pour l'usine, ainsi que d'argent pour sa construction, pour l'équipement, et ainsi de suite. Non, la production concerne le fait que nous conservons des processus technologiques critiques. Et nous devons établir ces processus, en réalité, peu importe quel équipement est utilisé. Que ce soit en location, ce n'est pas aussi bien que d'avoir le sien, bien sûr, mais c'est nécessaire. De toute façon, il y aura des espaces locatifs. Nous n'avons pas besoin de construire une usine ou de faire quoi que ce soit d'autre. Pour cela, nous devons conserver un nombre très limité de technologies critiques afin que cette propriété intellectuelle ne s'échappe pas de l'entreprise et pour nous protéger, afin qu'il n'y ait pas de situation où, après avoir partagé tous nos secrets dans le cadre de cette large coopération, pour le dire crûment, nous nous soyons déshabillés devant le monde entier. Nous commençons à produire quelque chose et quelqu'un qui souhaite faire la même chose peut simplement suivre la même chaîne et réussir à faire exactement la même chose. D'un côté, c'est plutôt cool que ça intéresse encore quelqu'un. De l'autre côté, est-ce que cela nous intéresse vraiment Peut-être que ce seront finalement des projets d'investissement. Et c'est pourquoi les technologies critiques seront, pour ainsi dire, cachées et Maîtrisé sur des sites industriels propres ou amicaux, il existe. Une histoire concernant le soudage des coques. Cela inclut la production des coques elles-mêmes. Il y a là des équipements de soudure, de brasage, etc. Découpe et autres, tout cet équipement coûte tout à fait peu cher. Il est connu de tous depuis longtemps. Il est présent dans notre pays ainsi que dans tous les autres pays. L'acheter n'est pas un problème. Et le placer dans un petit hangar facilement accessible pour que nous puissions y souder nous-mêmes ces enveloppes, ce n'est pas un projet d'investissement séparé avec des coûts exorbitants, ce sont des dépenses modestes pour notre propre protection. Et celle des techniciens. En gros, c'est ce que l'on entend par le mot production. Un peu plus tard, nous pourrions peut-être préciser quelles technologies critiques seront sous notre contrôle. Mais il est tout à fait probable qu'il ne vaut pas la peine de le faire. Pourquoi les concurrents ou les envieux devraient-ils le savoir L'école qui est créée dans le cadre du projet n'est pas une école pour enfants, bien qu'il faudra probablement aussi en créer une pour les enfants un jour. C'est une école de pilote, une école de technicien, école de formation de tout le personnel qui sera impliqué dans l'exploitation des dirigeables. Parce que vous arrivez à l'aéroport et dès que vous franchissez la porte, des gens apparaissent, vous vous enregistrez. Bon, les services douaniers ne comptent pas, quelqu'un charge les bagages dans l'avion, quelqu'un fait le plein, il y a des capitaines assis, des hôtesses de l'air, une foule de personnel, et ce personnel doit être formé partout. Il est clair que pour les dirigeables, l'infrastructure est beaucoup plus légère que pour les avions internationaux, et d'autant plus. Mais dans tous les cas, du personnel est nécessaire et il faut le former. Il n'y a rien de super compliqué à préparer un pilote de dirigeable ou une hôtesse de l'air. Tous les documents et procédures sont les mêmes. Il suffit juste qu'il y ait un dirigeable. Actuellement, il n'existe pas de méthodologie, mais en général, toute la législation implique que lorsque vous ouvrez une école d'aviation, vous, en tant que particulier, pouvez ouvrir votre propre école d'aviation pour des avions légers, des hélicoptères, etc. Lorsque vous vous confrontez à la documentation réglementaire, vous vous demandez ⁇ Je veux ouvrir une école, que dois-je faire ?⁇ Vous ouvrez et il est écrit que c'est une école d'aviation pour la formation sur des avions, des hélicoptères et des dirigeables. C'est-à-dire que cela est déjà inscrit dans toute la documentation réglementaire que le dirigeable a toujours existé, tant dans l'Union soviétique qu'en Russie moderne. Et toute cette documentation a été transmise jusqu'ici. De ce côté, il n'y a pas de problème. Et du côté de la création d'écoles, il n'y a pas de problème non plus. Car nous recevons déjà des appels de personnes intéressées qui disent ⁇ Waouh, c'est génial que vous soyez occupé avec des dirigeables ⁇ J'ai ma propre école là-bas, c'est très facile. Vous avez pu voir cette personne, c'est Sergei. Il a pris la parole le 7 lors de notre grande conférence. Il n'est pas le seul à avoir une école d'aviation et il est le seul intéressé. En général, personne ne voit de problème là-dedans et l'école est indispensable, même pour nous, afin de les exploiter officiellement. Tous les pilotes doivent avoir une licence spéciale et tous les techniciens doivent également être correctement formés et tout cela doit être correctement documenté. En général, elle est nécessaire pour nos besoins, personnel du projet ainsi que pour l'industrie dans son ensemble. Parce qu'ensuite, dès que cette école, pour le dire simplement, aura formé tout le personnel nécessaire qui couvre par exemple une cellule, cela concerne l'entretien d'un drone spécifique à l'avenir. Dans un futur proche, ce modèle pourra également être transmis dans toutes les autres différentes régions, partout où il y a des écoles, car des pilotes qualifiés seront nécessaires, car c'est un secteur... Ce sera aussi une école principale, tout comme le dirigeable unique ici, puis il y aura beaucoup de dirigeables et beaucoup d'écoles. Tout cela est clair, et l'école elle-même est une structure commerciale, et les dirigeables seront créés en tant que structure commerciale, et quelqu'un sur ces je veux ouvrir non seulement une école pour enseigner aux dirigeables, ce qui est génial, mais aussi pour former des pilotes d'avions, d'hélicoptères, etc. De plus, je souhaite en tirer des bénéfices car tout un secteur est en développement et il faut former beaucoup de personnes. Pour l'instant, tout cela est organisé comme une activité commerciale. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il est très probable que cela sera rentable. Il y a de l'espoir. Et même une compréhension conditionnelle du temps qu'il faudra avant que les départements pour la formation d'ingénieurs, de techniciens et de pilotes de dirigeables ne soient rétablis dans notre pays directement depuis l'université. Mais pour l'instant, tout cela est un processus long. Nous pouvons très rapidement intégrer ce dont nous avons besoin sur la base de l'école existante. Créer, pour ainsi dire, ce mécanisme, puis le mettre à l'échelle et le retransmettre, et en largeur et en hauteur, comme bon vous semble, et tout cela dans le cadre de ce projet, de manière générale. De plus, les projets commerciaux externes, ce sont, comme je l'ai dit, les dimensions ultérieures des dirigeables, leur type, etc., qui ne sont pas externes. Certains sont toujours, toujours dans le cadre de ce projet, mais cependant, ils dépassent encore le budget de ce projet. C'est-à-dire que dans le projet, il sera créé, ici on peut même inclure la diapositive suivante. Il sera créé, lequel es-tu au-dessus Eh bien, je voulais parler de cela, pas de ça, mais un peu en arrière. Deux appareils de yacht volant seront créés pesant entre 1 et 2. Tonnes selon la manière dont ils seront fabriqués et leur production en série par la suite. Mais pour ce prix, deux appareils seront créés. Il s'agit de deux appareils de 10 tonnes. Pourquoi deux Parce qu'il est très peu. Pour réaliser des essais afin d'obtenir un certificat de type, quand en général, a construit un aéronef, il doit y en avoir au minimum deux, idéalement trois, pour pouvoir effectuer tous les essais en vol nécessaires et finalement obtenir le certificat qui prouve qu'il est sûr, qu'il peut être exploité et produit en série. Deux petites unités pour ces objectifs, deux unités de 10 tonnes pour ces objectifs, et dès que nous obtenons le certificat de type, cela signifie que nous pouvons commencer à les produire en série tu peux revenir en arrière avec les chiffres. Et il s'avère qu'avec ces 100 millions de dollars, et ce sont 100 millions de dollars déjà avec les commissions de parrainage, Pavel expliquera quelque chose, donc ce n'est pas 100 plus les commissions de parrainage, mais c'est 100 au total. Dans le cadre de cet argent, les éléments externes, comme indiqué dans le projet d'affaires, ne sont pas inclus dans le budget. Tous ces projets seront certainement créés par ce bureau d'études, mais il est en effet tout à fait fortement probable que le financement par le biais du crowdfunding ne sera plus nécessaire pour eux de toute façon. Parce qu'après avoir créé deux appareils de type yacht et deux appareils de 10 tonnes, après avoir effectué des essais en vol et obtenu un certificat de type, l'entreprise se commercialise déjà elle commencera à accepter des développements payants de la part de grandes entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise dit, j'ai besoin d'un appareil par exemple d'un certain type unique, c'est un développement, nous recevons de l'argent, nous réalisons des bénéfices avec cet argent, et avec ces bénéfices, nous commençons à concevoir ces appareils, c'est un modèle de série, nous avons fabriqué deux appareils. Pour l'instant, nous les exploitons nous-mêmes, nous acquérons de l'expérience, mais dès maintenant, nous avons même une idée de qui achètera le premier appareil, et quand il verra que cela vole, il dira qu'il veut celui-ci. Nous lui dirons d'attendre qu'il aura le même dans quelques mois. Facile! Dans un mois, nous le ferons aussi si tu pèses un peu plus, certainement. En gros, ces appareils seront fabriqués et vendus, et les bénéfices commenceront immédiatement. Et donc, pour le projet commercial externe, nous pouvons le développer par le biais du crowdfunding et avec nos propres fonds en vue de sa commercialisation. Tout cela, nous allons le décider ensemble avec vous. Que faire du premier bénéfice Le recevoir sous forme de dividende Ou allons-nous investir dans un autre appareil, par exemple Ou attirer un grand investisseur externe Car même sur la base des premiers appareils, avant même les essais en vol, comme je l'ai dit, la phase zéro sera franchie. Un bureau d'études sera créé et une large coopération entre les développeurs, les fabricants et d'autres acteurs sera mise en place. Et pour un grand investisseur, c'est déjà un signe que tout, la phase zéro est passée, que cette chose fonctionne vraiment et se réalise, et il voudra déjà s'impliquer et dire, ben bah voilà, j'ai beaucoup d'argent, nous lui dirons, cette partie est déjà financée par le crowdfunding, c'est un petit yacht et un bateau de 10 tonnes, cela n'est pas encore financé si tu veux investir dans le modèle de 20 tonnes parce qu'avec le modèle de 200 c'est possible mais nous devons quand même avancer étape par étape voilà il peut investir ici et nous sommes en train de créer une telle architecture juridique pour cette société Mernova afin qu'un grand investisseur en entrant avec son capital important ne vienne pas empiéter sur cette stricte moitié réservée aux investisseurs de crowdfunding de manière significative et substantielle, afin de garantir une protection adéquate pour tous les investisseurs impliqués dans ce projet de grande envergure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cela se passe comme si un gros bonhomme arrivait, donnait de l'argent et que la foule se mettait à s'ennuyer. Non, nous faisons qu'il y ait eu une phase zéro, de grosses sommes d'argent n'ont pas été investies, nous avons tout cela financé par le crowdfunding, donc soyez aimables, maintenant vous allez investir de petites parts dans certaines entreprises parallèles que nous allons créer ensemble. Notre société mère y entre, vous y entrez. En gros, ça peut être comme ça. En fait, vraiment, il se peut que nous les fassions avec des bénéfices. Peut-être que nous laisserons le crowdfunding. Tout cela est une perspective future. Ici, il est indiqué 3 à 5 ans. C'est justement le bureau d'études, le terrain, les hangars, deux appareils d'un type, deux appareils d'un autre type les essais de certification. A, ah, l'école, la technologie, c'est clair, les essais de certification sont terminés, à ce stade, le projet est en quelque sorte achevé, car nous avons obtenu le certificat de type. Par conséquent, nous avons réussi, nous avons un appareil prêt, la production perdue est déjà en place, nous avons déjà des acheteurs pour ces appareils, et nous avons également commandé le développement d'autres appareils avec un délai de 3 à 5 ans. Eh bien, la capitalisation à partir d'un milliard de dollars est, selon les estimations les plus modestes, et je le répète, il y a beaucoup d'objections, de messages, de propositions sur la façon dont vous avez calculé cette capitalisation. Mais où allez-vous Quel milliard De quoi parlez-vous Je vais revenir sur le secteur. Nous commençons à partir d'une étape zéro pour créer une entreprise aussi énorme, d'une taille incroyable que cette capitalisation est en fait vraiment très modeste, calculé selon les lois les plus rudimentaires. Voici le bénéfice annuel de l'entreprise multiplié par 3 et c'est à capitalisation, sans évaluation des propriétés intellectuelles, sans évaluation des perspectives, sans évaluation des futurs appareils, sans expansion de la production, sans expansion des hangars, sans rien. Voici simplement le bénéfice annuel multiplié par 3. Voici la capitalisation. Comment prévoyons-nous d'obtenir précisément ce bénéfice annuel dans environ 3 à 5 ans C'est en fait bien sûr une production conditionnellement en série de ces fameux 10 tonnes. Eh bien ce n'est pas conditionnel mais la production en série de 10 tonnes plus l'exploitation de ceux qui existent plus la vente de 10 yachts volants. Et tout cela à partir de deux hangars. Il est probablement certain qu'il en faille encore davantage, il faudra probablement installer encore quelques quais, et tout cela sera déjà réalisé dans le cadre de projets commerciaux externes. Ils ne sont tout simplement pas inclus dans ce budget. Ils sortent des sentiers battus, mais l'argent apparaît avec la demande, tout cela se construit, et le profit sera bien plus important, y compris la capitalisation. Mais pour que personne ne se moque, voilà, environ un milliard de capitalisation pour la production en série et la vente de 10 tonnes et de petits yachts volants, et ce n'est pas tant que ça. Approximativement, on peut voir à quel prix New Zeppelin, une entreprise allemande, a vendu ses dirigeables. Je ne les qualifierai pas de modernes. En fait, ils sont véritablement modernes parce qu'ils volent actuellement. Il n'y a pas tant de choses à critiquer sur la réalité moderne, ce sont des gars formidables, et le fait qu'ils aient encore cela est impressionnant. Mais on peut voir à quel prix ils ont vendu ces dirigeables, et c'est plus un analogue d'un petit yacht volant, pour plusieurs dizaines de millions de dollars, un appareil, je ne me souviens pas honnêtement, environ 20, 30, peut-être 40. Une fois, ils ont vendu un appareil pour 20, un autre pour 50. Tout dépendait de l'équipement, il est clair que cela dépendait de quand il a été vendu et à qui. On peut voir à quel prix le Mi-8 est produit et vendu sur le marché, ainsi que le prix de divers avions privés. Le dirigeable aura sa propre niche, il sera plus confortable que les hélicoptères et les avions, il sera plus sûr et pourra transporter plus que les hélicoptères. Et sur le marché, le prix moyen d'un appareil de 10 tonnes se dessine en produisant environ 20 unités par an. Divisez la capitalisation par 3, vous obtiendrez le bénéfice et calculez combien coûte un appareil. Eh bien, selon le marché. Quel est le prix du marché Préparez-vous à l'acheter. Petia, tu dis qu'il y a 20 appareils par an, supposons, dans une telle quantité, à qui cela pourrait-il être utile C'est-à-dire que c'est un concurrent, en fait, de l'hélicoptère Mi-8, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que sa fonction principale est de transporter des marchandises. Et dans ce cas, cela peut être un grand nombre de personnes si c'est une sorte de variante passagère. C'est-à-dire que tu peux en dire plus sur pourquoi ils peuvent être nécessaires en si grand nombre ou ces appareils peuvent être spécifiquement utilisés. Je suis plus que sûr que les 20 premiers appareils seront simplement pris par les pays arabes parce qu'ils ont déjà appelé de l'un puis de l'autre. Il semble que la troisième commence à démanger. Pour eux, ces appareils sont nécessaires en tant que touristiques, en tant que démonstratifs. Ils aiment démontrer leur capacité, leur supériorité, et ils demandent Vous devez seulement nous le vendre en premier. Nous, on est là, genre, pas de problème, les gars. Ils disent Non, 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 le problème, c'est que vous devez nous le vendre en premier. Genre, lequel Ils disent Lequel il y a Ils disent Eh bien, le premier sera des dix tonnes. Il dit Un dix tonnes. Touristique conviendra nous pourrons voyager dans des salons luxueux, pour ainsi dire, le long des frontières de nos voisins et montrer ce que nous avons et ce que vous n'avez pas. Je dis, oui, bien sûr, ça ira. On peut faire un 10 tonnes en tant que touristique. Ils sont si merveilleux. Combien prévoyez-vous d'en produire là-bas Eh bien, la conversation va dans ce sens et les pays arabes vont certainement les acheter. Et nous avons besoin de ces deux appareils pour notre propre exploitation. De plus, les Arabes les prendront et le distitonique, bien sûr, ne conviendra pas aux grandes tâches qui sont déjà en attente, celles qui ont été convenues avec des entreprises russes. Cependant, le distitonique conviendra à une autre charge commerciale pour laquelle il y a déjà une demande. Et il n'est pas utile d'en parler maintenant. En gros, les premières pages touristiques, au nombre de 20, vont s'envoler à travers le monde comme des petits pains chauds, et dès la première année, nous réaliserons un bon bénéfice, nous récupérerons tout le projet, et nous pourrons même verser des dividendes. Là-bas, avec un certain X, nous aurons encore de l'argent, si les investisseurs disent de tout verser en dividendes, s'il vous plaît. Mais si ce n'est pas le cas, et que nous faisons tous preuve de prudence, nous aurons encore de l'argent pour produire des ailings supplémentaires et concevoir de grands appareils. Et je suis vraiment sûr que les 20 premiers vont s'envoler comme des touristiques. Les 20 prochaines seront déjà plus commerciales et lesquelles précisément le temps le montrera. Il y a une tâche à accomplir. Il y a des tâches de recherche et de sauvetage. Très probablement, les 20 prochaines seront plutôt autour des affaires gouvernementales, comme le ministère des Situations d'urgence les incendies, les découvertes, en gros des questions sociales, peut-être celles-ci seront médicales, parce qu'il y a des points chauds qu'il est nécessaire de fermer. Et très probablement, sur la base de ces 10 tonnes, il y aura 1, 2, 3 de ces appareils. Le drone cargo de 15 tonnes trouvera également son application dans le commerce, car ses caractéristiques techniques et économiques seront très avantageuses pour les entreprises. Nous allons nous mettre d'accord avec le secteur logistique. Nous parlons ici de la réalisation la plus minimale. Si l'on visualise sous forme d'image ce dont tu as parlé, alors c'est ce que nous avons dans la présentation de notre bureau d'études, en effet. Dans le cadre du bureau d'études, je ne sais pas si la présentation est visible en ce moment. Voici de quoi parlait FEDOR, un bureau d'études conditionnel, comme un noyau, un collectif d'ingénieurs qui s'occuperont de la conception, du développement et de tout le reste. Dans ce cadre, nous créons deux modèles de dirigeables, des dirigeables de 2 tonnes et des dirigeables de 10 tonnes. Le biplan de 2 tonnes est avant tout principalement destiné à de petits vols touristiques, voire même à des transports et également à des excursions. Une direction très prometteuse est l'observation variée du territoire, des conditions météorologiques, en version pilotée ou sans pilote. Voilà. Et le 10 tonnes dont tu parles, c'est-à-dire que c'est soit une version cargo, qui semble pour l'instant être l'une des plus prometteuses, selon les retours actuels des clients potentiels, mais comme tu l'as dit maintenant, certains, comme les Arabes en particulier, voulaient avoir un hôtel volant chez eux. Pour être les plus impressionnants, afin de montrer au public leur capacité depuis cet hôtel volant, c'est aussi tout à fait possible, cependant, la terre dont tu parlais, sur laquelle seront situés deux airings, et par conséquent, une école et une production de nœuds et d'éléments critiques, très importants. Il est également important de mentionner, comme nous en avons discuté, que dans notre schéma de réalisation minimale, il y a des clients externes, car rien ne nous empêche à ce stade de développer des dirigeables externes pour des niches et des directions spécifiques. Peut-être que tu pourrais en dire un peu plus sur les personnes avec qui tu as déjà discuté, quel projet externe pourrait être envisagé je peux parler en détail de Luxueux. Il a beaucoup de richesses. Le mot problème est certainement malveillant. C'est une très bonne tâche qu'il faut probablement résoudre et elle sera probablement résolue de la meilleure manière grâce au dirigeable. C'est le transport des lanceurs depuis l'usine de fabrication vers le cosmodrome Vostochny. Tous les conseils pertinents au cours des dernières années ont été réfléchis, analysés et approuvés et validés. Il y a des lettres disant qu'il est temps de développer un cahier des charges commun pour ces appareils. Voici le cahier des charges. Quelles charges spécifiques D'où et vers où transporter Et tous ces documents sont en notre possession. C'est-à-dire que, eh bien, en fait, Roscosmos n'est pas non plus prêt à participer à la phase zéro, à rassembler toute cette histoire, à gérer, à chercher également des financements. Mais dès qu'il comprendra que tout s'est mis en mouvement et que l'équipe est rassemblée et que la réalisation va commencer. C'est-à-dire qu'il sera le premier client à dire ⁇ Tout est clair, construisons les appareils ⁇ il y a non seulement des possibilités pour le transport des lanceurs de fusées, mais aussi pour le sauvetage des cosmonautes. Nous avons actuellement plusieurs zones de débarquement calculées pour les vaisseaux spatiaux, et après cela, il ne peut pas atterrir précisément à un point pour l'instant. Techniquement, il a une certaine zone. Il arrive même que des films soient réalisés à ce sujet où le vaisseau spatial, pour une raison quelconque, ne parvient pas à atteindre la zone et il faut le chercher. Évidemment, il a des balises radio qui, si elles fonctionnent, c'est parfait, nous savons au moins où il se trouve, mais avec les méthodes existantes, il n'est pas si facile de récupérer un vaisseau spatial. C'est pourquoi, le plus souvent, on vise une grande étendue d'eau. Mais dans une zone compréhensible pour qu'il puisse atterrir, s'approcher, récupérer, tout cela est beaucoup plus simple s'il atterrit dans une forêt ou ailleurs. Actuellement, des brises glaces sont presque proposées pour naviguer dans l'océan Arctique afin de sauver les cosmonautes. Comprenez simplement qu'après l'atterrissage d'un cosmonaute, il doit attendre que le vaisseau ou quelqu'un d'autre arrive jusqu'à lui. Mais si trois, dirigeable patrouille autour de la zone d'atterrissage. Ils ont tous un rayon d'action court qui leur permet de se rendre rapidement sur place. Ce ne sont pas des avions ni des hélicoptères. Un avion peut faire des cercles mais il ne peut pas récupérer la capsule. Un hélicoptère ne peut pas rester longtemps en vol car il manquerait de carburant et tomberait comme une pierre. Un dirigeable peut se rendre dans la zone d'atterrissage en utilisant des panneaux solaires, se nourrissant de l'énergie du soleil avec des moteurs électriques tout en se stabilisant sans consommer de carburant et simplement attendre que le vaisseau spatial atterrisse. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas de carburant et un tel projet a également été élaboré. C'est lorsque l'appareil peut atterrir sur l'eau, accepter cette chose et là, depuis le champ, la forêt, en gros, depuis n'importe quelle surface et à l'intérieur, tout l'espace est équipé pour accueillir les cosmonautes avec des cabinets médicaux et toutes sortes d'autres installations. C'est-à-dire qu'il faut passer par une étape zéro. Et au cours de ces 3 à 5 années, ce client sera définitivement le nôtre, car dans le domaine spatial, il y a actuellement une large tendance à la souverainisation technologique, et il faudra résoudre ces problèmes. Les dirigeables s'en sortent le mieux, et tout le monde le comprend déjà, eux, nous, et tous les autres. Et cela est certain. Il n'y a pas seulement Roscosmos, il y a aussi plusieurs autres clients qui s'occupent des ressources et de la logistique des ressources, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. De l'autre côté, il y a aussi des parties intéressées, de nombreux nouveaux projets ou des questions logistiques sont encore en cours de résolution. Ils connaissent les dirigeables et, pour parler simplement, montrez que vous avez commencé et nous pourrons continuer à discuter. Il y en a aussi beaucoup en ce qui concerne ses clients. Il s'avère qu'avec ce budget au sein de cette entreprise, en évaluant spécifiquement cette étape minimale, nous parlons de la création de notre propre produit que nous vendons simplement en quantité à des clients et des commanditaires. Nous travaillons donc avec de grandes entreprises contractantes comme Roscosmos qui peuvent se le permettre et qui ont besoin de dirigeables spécialisés, conçus pour leurs objectifs et missions spécifiques, car notre entreprise est avant tout un cerveau capable de créer et de générer tout ce qui est nécessaire pour qu'un dirigeable puisse décoller et accomplir ses missions avec succès. Grâce à la constitution de cette équipe, elle ne fera que se développer et s'agrandir. Oui, c'est tout à fait ça. En plus, concernant les clients, il y a actuellement un ordre du gouvernement. Beaucoup ont pu le voir. Nous l'avons partagé dans le chat. Nous pouvons encore reproduire cela de la même manière que la vidéo de l'Américain, le technoblog, le critique, où le gouvernement lui-même demande à toutes les organisations concernées de fournir leur programme de développement jusqu'au quatrième trimestre de cette année, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle année le gouvernement a également un certain nombre de tâches pour notre état spécifique et je me rappelle constamment que nous ne sommes pas un pays unifié et notre projet est international et dans de nombreux pays il y a un besoin urgent de plus nous avons nous-mêmes la yakoutie la connectivité des territoires le grand nord et il y a vraiment énormément de tâches. Cet outil qui est apparu nous libère les mains. Et l'économie elle-même va tout cela mettre à l'échelle et résoudre. Mais il y a aussi en réalité d'autres aspects. Il y a des négociations avec l'Indonésie car ils doivent effectuer une logistique fine avec leurs transports aquatiques. En gros, ils ont besoin de plusieurs appareils pour rester en permanence dans les airs et surveiller ce qui se passe en dessous et les dirigeables stratosphériques étaient également souhaités pour une communication sécurisée. Il y en a aussi avec l'Indonésie et l'Afrique. En général, il y a beaucoup de pays, beaucoup de clients. Je pense que si Dieu le veut, nous réussirons à tout faire et à nous en sortir. D'ailleurs, dès que le site sera en ligne, nous aurons un site complet et fonctionnel avec tous les matériaux car suffisamment d'accords ont déjà été conclus pour comprendre qu'il y a un intérêt de la part d'un grand nombre d'entreprises et de clients, et que certains accords préliminaires ont même déjà été signés, si l'on parle d'une perspective plus lointaine, c'est-à-dire de 5 à 10 ans. Vous pouvez déjà voir dans la présentation combien de choses supplémentaires apparaissent. Ici apparaît la société d'exploitation, mais en réalité, elle apparaîtra presque immédiatement, car c'est l'un des éléments les plus importants. Mais ce qui est le plus important, à noter, c'est qu'à mesure que l'entreprise grandira et que les ressources augmenteront, il sera possible de travailler non pas avec un ou deux clients, mais déjà avec un plus grand nombre de clients externes. En plus de cela, les capacités propres augmentent. Avec un plus grand nombre de quais, déjà quatre dans ce schéma, ainsi que des appareils supplémentaires de 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes et un dirigeable stratosphérique. Le chemin de développement ici peut être différent, c'est-à-dire que, comme Fiodor l'a déjà mentionné aujourd'hui, des capitaux importants peuvent être attirés. Par exemple, une filiale distincte pourrait être créée pour se consacrer directement au dirigeable stratosphérique. Et le budget pour la construction d'un dirigeable stratosphérique pourrait être utilisé sous forme de capital d'un investisseur privé, ou cela peut également être du crowdfunding, si cela s'avère nécessaire, et s'il y a une demande et un intérêt. À cet égard, comme nous l'avons également mentionné aujourd'hui, cela pourra être fait avec des fonds propres, ce qui est tout à fait normal, sans recourir à des capitaux empruntés ou d'investisseurs, et en fin de compte, à ce jour, il y a une compréhension claire de la création de six, disons, de tels projets, environ six aéronefs. Fiodor, si tu veux, tu peux commenter les quatre autres et raconter quelque chose de plus détaillé. Eh bien, ici, j'ai parlé de tout de manière conditionnelle. Ce que je veux dire, c'est que la transition sera de 20, 40 puis 200. Il est déjà plus intéressant d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique. Son éventail de tâches s'élargit encore davantage, son économie est encore plus attrayante pour l'État en général, car plus il y en a, mieux c'est, et cela dans tous les domaines, tant économiques qu'en matière d'efficacité énergétique, et ainsi de suite. L'essentiel est qu'il n'y en ait pas qu'un seul, mais plusieurs. En ce qui concerne la stratosphère, je n'en ai pas encore parlé, mais pour le 40 tonnes, je vais dire que ces appareils de type 20 40 tonnes. Le 20 tonnes sera probablement également vendu pour un usage touristique ou exploité par nous-mêmes, ce qui est également avantageux tant d'un point de vue commercial que pour acquérir de l'expérience opérationnelle. Parce que lorsque vous vendez à quelqu'un, vous devez fournir une multitude de méthodes opérationnelles, de normes, de règles et en général, toute l'expérience et le personnel doivent être développés. Donc tout cela est créé pour cela. Voici environ 40 tonnes. C'est l'appareil qui peut déjà atteindre n'importe où. En version touristique avec un modèle de 10 tonnes, même jusqu'au pôle Nord et peut-être au-delà. Il sera plus agréable de le faire sur un modèle de 40 tonnes car il sera déjà à deux ponts, c'est-à-dire avec deux étages et un balcon, ce qui permettra d'accéder à l'air libre, à la terrasse. Comme je l'ai dit, tous ces appareils seront fabriqués par deux unités. C'est obligatoire. Et voici deux croiseurs de 40 tonnes. Ce sont vraiment des navires de croisière impressionnants, sur lesquels il sera très agréable de voyager en couple. Ils avancent ensemble. Sur l'un, tu es seul, sur l'autre, tu regardes. C'est deux fois plus cool. Si ce n'est pas dix fois, parce que pendant que nous étions en train de faire un tour en dirigeable et que tu le regardes de côté, tu ressens un effet waouh. Là où se trouve la Poga, quelle chose magique, grande, belle, tu regardes encore, d'en bas, tu penses qu'il y a si peu d'espace utile et il est si grand. Tes pensées traversent l'esprit de tout le monde. En entrant, tu penses, il y a assez d'espace, je me sens assez à l'aise. Mais tu ne vois plus le dirigeable. Tu es simplement dans un espace où il fait calme, paisible et confortable. Tu peux y marcher, parler tranquillement, sortir par la fenêtre, c'est complètement sûr, mais tu ne vois plus de dirigeable. Donc quand il vole de côte à côte, ce sera vraiment génial. Il est très probable qu'il s'agisse d'un modèle touristique et il sera proportionnellement similaire à celui de la stratosphère, c'est-à-dire que cet appareil stratosphérique ne pourra plus soulever ses 40 tonnes parce que le dirigeable peut soulever une charge plus importante. Plus l'appareil est proche du sol, plus la pression de l'air est élevée et il y a de l'hélium à l'intérieur, ce qui génère une force de portance. Lorsque la pression de l'air diminue, les forces de portance s'épuisent. Et plus l'appareil vole près du sol, plus il peut soulever. Cependant, la taille du 50 tonnes et du stratosphérique, qui sont beaucoup plus petits, peut capturer la même chose. En construisant pour le 50 tonnes, nous construisons ainsi un hangar. Et pour la stratosphère, les 50 tonnes ont été réalisées. Nous avons passé cette dimension et sommes allés plus loin. Et le hangar est ensuite utilisé pour les stratosphériques. Les appareils stratosphériques sont également très... Très incroyable. Tout d'abord, l'idée elle-même est cool et séduisante. Et ce n'est pas seulement une idée, elle a déjà été utilisée, encore une fois. Tout cela était auparavant sur des sondes stratosphériques. Vous pouvez chercher Google, Loon, il y avait un tel programme. Ils lançaient des ballons qui volaient dans la stratosphère uniquement avec les vents. Certains savaient y rester en vol stationnaire, changèrent d'altitude, captèrent le vent, mais ce n'était tout de même pas indirigeable et ils accomplissaient là leur mission, tant scientifique que d'autres. Voilà, mais des temps difficiles sont arrivés, peut-être à cause du Covid. Et cela a réduit ce programme, en effet, c'est vrai. Actuellement, les communications, la télédétection, le zonage à distance, le sondage de la Terre et d'autres tâches sont effectuées depuis l'espace. Auparavant, c'étaient des satellites complètement énormes. Quelle technologie, quelle taille. Maintenant, tous les satellites deviennent plus petits, plus petits, plus petits. Évidemment, ce sont des CubeSats, c'est la taille d'un satellite moderne. Tu ne feras pas beaucoup de travail là-bas, mais il est tout à fait probable d'avoir un grand nombre de ces satellites, c'est-à-dire que tout cela diminue, devient moins cher, mais cela ne peut pas encore être moins cher qu'une plateforme stratosphérique sous forme de dirigeable. Ce n'est plus un ballon, un dirigeable se distingue d'un ballon par le fait qu'un ballon est incontrôlable. Le dirigeable, le chef d'orchestre, le mot gestion en français signifie contrôler et donc un appareil stratosphérique contrôlé de dimensions suffisamment sérieuses avec l'énergie nécessaire à bord. Peut déjà accomplir des tâches similaires à celles des impressionnants satellites dans l'espace. Cependant, pour lancer un satellite, on construit généralement une énorme fusée souvent à trois étages avec un bloc d'accélération. Et il y a aussi un troisième étage. Et c'est ainsi que se construit un tel satellite. Et c'est tout. Elon Musk a appris à atterrir. Bien joué. Il est réutilisable. À partir de quelques fois, ils sont rentables chez nous. Ils sont jetables. Et ce satellite a été lancé. Après avoir construit la fusée et le satellite, il a été mis en orbite. Ce qui a coûté beaucoup d'argent et de temps. Nous n'avons pas encore appris à entretenir les satellites. Si quelque chose leur arrive. Par exemple, si tu veux changer leur orbite, cela devient une station spatiale entière, et il est peu probable qu'elle puisse changer d'orbite de manière significative, juste la corriger en gros. En revanche, un appareil stratosphérique coûte mille fois moins cher qu'une fusée. Il peut soulever un satellite, bien sûr, peu importe lequel, il n'est pas nécessaire de soulever celui-ci, car d'autres instruments seront utilisés. Car les altitudes sont différentes et les tâches sont un peu différentes. Oui, un satellite peut voler très haut, rester au-dessus d'un point fixe, ce sont les orbites géostationnaires, où il peut voler bas, donc il a soit un changement d'image, soit une surveillance d'un même espace depuis un point très éloigné. Ici, la hauteur de la stratosphère est de 15 à 20 km, il peut rester en suspension. À un point. Cela signifie que la technologie existante, c'est-à-dire la technologie associée et appropriée, est installée ici, et contrairement à la fusée, il peut ramener ce satellite à sa place. Il est possible d'entretenir à la fois la plateforme de forage et cet équipement. Remonter à un point donné, il est certainement possible de changer ces points. En général, tant du point de vue économique que technique, et logique, en fait, de tous les aspects, l'exécution des tâches, il est moins cher, plus avantageux et plus efficace de le faire avec de tels appareils que de lancer des fusées dans l'espace. Il est évident que les fusées ont leur propre marché dans l'espace, elles continueront à voler, etc. Mais ces plateformes ont également un avenir très prometteur. Par exemple, ce pays qui ne veut pas s'engager dans cela, en grande partie. Eh bien, Juste une course de muscles, comme nous avons lancé quelque chose dans l'espace, ils doivent pour l'heure, ils ne peuvent pas. C'est le même cas pour l'Indonésie, il y a aussi des discussions à ce sujet. Ils disent que nous devons simplement accomplir nos tâches de communication là-bas, de surveillance, de sondage et autres, et là-bas, se permettre de lancer quelques satellites en orbite, c'est bien sûr une bonne chose, mais nous aimerions contrôler nous-mêmes. Par exemple, un appareil stratosphérique comme celui-ci nous convient parfaitement et la plupart des pays sur la planète partagent ce point de vue. Les pays qui possèdent leur propre famille de satellites de différentes missions sont des pays très riches et il existe également un marché pour la stratosphère. Ces plateformes stratosphériques de 40 tonnes seront créées en tenant compte de leur capitalisation et des tâches qu'elles devront accomplir avec des bénéfices également stratosphériques. Cela est évident pour tout le monde et chacun essaie de le faire maintenant. Mais encore une fois, nous vivons une époque très étrange où l'on peut expliquer longuement quelque chose en langage scientifique et ne pas être cru. Cependant, si vous faites une belle présentation montrant comment vous élevez une capsule avec des personnes dans la stratosphère et que vous parlez d'un hôtel stratosphérique, les investisseurs se manifestent immédiatement et le soutien arrive tout de suite. Il faut donc parfois que de véritables ingénieurs se tournent vers de telles approches, même s'ils ne le souhaitent pas. En réalité, beaucoup souhaitent s'élever dans la stratosphère. C'est en fait une astuce publicitaire. Celui qui pourra soulever et contrôler dans la stratosphère environ 1, 2, 3, 5 tonnes sera déjà un super monstre monopolistique. Environ, et il est évident qu'il va d'abord faire décoller cette capsule. Peut-être qu'il volera lui-même avec, ou qu'il sera le premier touriste, un milliardaire. Actuellement, il est courant de mixer les fonds, en prenant de l'argent à un milliardaire pour réaliser un grand projet avec cet argent. En plus, nous sommes tous comme ça. Ici, il y a une merveilleuse charité. Alors là, prenons notre employé ou son enfant handicapé. C'est vraiment, c'est horrible. Ce n'est pas ça. Ils vont faire décoller cet appareil prouver au monde entier qu'ils peuvent le faire techniquement, et ensuite la charge commerciale s'envolera dans la stratosphère, elle ira là-haut, mais dans la stratosphère, il y aura des communications qui iront là-bas, des missions de reconnaissance et d'autres choses encore. C'est ce que font actuellement les satellites. En gros, nous prévoyons également de nous occuper de cela. Et beaucoup se demandent encore, oui, il serait intéressant pour moi de monter dans la stratosphère. Est-ce possible Peut-être. Allons-nous vraiment le faire Je ne sais pas. Peut-être. J'aimerais bien, en fait, dans le monde, vous pouvez le rechercher sur Google, plusieurs startups ont déjà annoncé pour quelle année précise elles prévoient de suspendre une capsule hermétique dans l'espace où il y aura un certain type de voyage suborbital. Vous montrez dans l'atmosphère, vous verrez cette frontière entre l'atmosphère et l'espace. C'est vraiment génial. J'aimerais aussi voir cela. Et nous allons le voir d'ailleurs, mais pour l'instant nous allons lancer des ballons stratosphériques en mode vidéo. Ce n'est pas si compliqué. Notre équipe d'ingénieurs compte des personnes pour qui c'est un hobby. Et ce hobby est aussi lié à des gains, donc nous montrerons et expliquerons cela. Mais pour s'élever de manière autonome sur une plateforme sérieuse, nous verrons. J'ai encore un peu parlé de la stratosphère. En fait, je pense qu'en racontant cela, Certaines entreprises montrent simplement une image impressionnante et cela suscite déjà un énorme intérêt. Les investisseurs affluent, etc. Nous avons une situation tout aussi intéressante dans le projet en ce moment. Elle rappelle le projet précédent, lorsque les gens arrivaient, au début, beaucoup ne croyaient pas incroyable, ils veulent construire un tel bâtiment. Et maintenant, c'est la même situation. Quelqu'un est assis et pense Eh bien, oui un dirigeable, c'est génial, bien sûr. Ce serait super de voler avec, mais il y a quelques doutes. Je m'imagine ce qui arrivera à ces personnes lorsque notre premier dirigeable s'élèvera dans le ciel, c'est-à-dire que le projet lui-même s'élèvera immédiatement à un autre niveau et, comme les gens vont se mordre les coudes, nous regardent de maintenant s'ils ne participent pas au projet maintenant, parce que c'est bien sûr une chose, comme tu l'as dit, une telle action précisément éclatante. Elle démontre quand même directement ce qui semblait être un conte de fées, pour quelqu'un devient une réalité. C'est donc une tâche vraiment importante, même si elle peut être nécessaire d'un point de vue marketing, mais pas seulement. Et je veux dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 3 à 5 ans pour le moment où Pache, tu dis, que quelque chose va s'envoler. En fait, dans un avenir proche, nous allons démontrer comment nous lançons des appareils stratosphériques, qu'ils soient pilotés ou non. Avec un canal de communication direct, par exemple, avec un enregistrement sur des supports, puis leur récupération après atterrissage. C'est la tâche la plus simple, la diffusion en direct, mais il y a aussi des tâches un peu plus complexes, comme la possibilité de modifier les courants d'air. Nous montrerons tout cela, y compris des appareils non pilotés, en démontrant ce que Google a déjà fait, c'est-à-dire la capacité de s'adapter au vent. Nous présenterons également de petits appareils dirigeables qui voleront en mode automatique. Ils seront réellement petits, avec une capacité de charge allant jusqu'à 40 kg, et nous ne les considérons pas comme des appareils sérieux. Un appareil sérieux, c'est soit pour 6 personnes, soit pour 2 tonnes. C'est ça, un appareil sérieux, et ces appareils, nous les fabriquons déjà de toute façon. Notre équipe de conception s'en est déjà occupée. Et c'est conditionnel parce que nous en avons envie et donc nous allons tout faire, montrer et raconter. Et le prochain appareil sérieux, qui est le yacht volant, pourrait décoller même pas dans 3 ans, ni dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi à 3, cela correspond à la réalisation d'essais en vol. C'est quand toute la documentation est déjà rassemblée, toutes les méthodes sont écrites. En gros, nous sommes officiellement prêts. Officieusement. Nous pouvons faire décoller cet appareil dans un an. Oui, super bien, vraiment, dans un an. Dans un an, tout le monde verra ce que c'est. Waouh, c'est incroyable, ça a décollé, ça a décollé. Il n'est pas nécessaire de construire son propre hangar pour cela. Cela peut être fait dans n'importe quel autre, et c'est probablement ce qui se passera, car cela nous intéresse. Plus nous ferons rapidement décoller l'appareil, mieux ce sera et plus impressionnant. Il va que les procédures officielles et l'obtention de certificats devront être suivies car c'est un business. Mais en ce qui concerne la technologie, nous devons montrer et prouver que nous pouvons le faire. Oui, d'ailleurs, bah, j'ai déjà lu un peu les questions. Il y a des questions et justement, nous y avons partiellement répondu maintenant. Au fait, il y a beaucoup de questions. J'ai regardé. Il y a vraiment beaucoup de questions. Faisons comme ça. Je vais maintenant parler de ce que nous faisons, des délais que nous respectons. Je vais vous parler de ce qui est proposé, de la participation offerte aux investisseurs, à ceux qui regardent cette diffusion, puis nous passerons à vos questions. Continuez à les écrire. Que propose-t-on aux investisseurs C'est-à-dire que nous avons déjà mentionné aujourd'hui qu'il est nécessaire d'attirer un montant total de 100 millions de dollars. En effet, ce montant est global, incluant la récompense de parrainage et tout le reste. Et il est prévu de le faire dans un délai de 3 à 5 ans. Nous avons un plan financier que nous avons approuvé lors de la session. Il est sur 3 ans. Donc nous avons 3 à 3 ans et demi. C'est pourquoi 5 ans est pour nous un scénario pessimiste. Et en voyant comment notre premier projet Sauvelmash est actuellement financé, nous sommes convaincus que, dans ces conditions, nous comprenons ce qu'il faut faire. Nous voyons un grand soutien de la part des partenaires et des investisseurs. Donc ce plan est plus que réaliste. En conséquence, ces 100 millions de dollars sont répartis en approximativement 20 étapes de financement. En ce moment, nous sommes dans la phase de pré-lancement, préparatoire. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, si vous êtes un investisseur dans le projet Sobelmash, les conditions d'investissement vont se détériorer à chaque étape. Aujourd'hui, il est plus avantageux d'investir que, par exemple, à la première étape. Voici donc pourquoi, au deuxième et au troisième, les parts vont certainement augmenter en valeur. Et en ce qui concerne la répartition au sein de l'entreprise, 50 de la société créée seront attribués à tous les investisseurs, comme Fedor l'a déjà mentionné, et 51 restent à l'équipe qui réalise le projet. Nous en avons également déjà parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'investisseur acquiert certainement des parts de la société Solar Group, et une fois que la société sera entièrement financée de manière significative et substantielle, ces parts seront échangées contre des actions de la société Nova. Yes, sir. Eh bien, c'est du moins ainsi que nous l'appelons actuellement. Ainsi, les investisseurs qui rejoignent aujourd'hui ont la possibilité de devenir copropriétaires de cette entreprise et par conséquent, avec toutes les opportunités de gains qui en découlent avec l'entreprise. Lorsque vous possédez une part d'une entreprise, vous pouvez gagner sur la capitalisation. En conséquence, vous acquérez aujourd'hui une part de l'entreprise, alors que nous sommes au tout début, lorsque l'entreprise a besoin d'argent, et donc, naturellement, vous pouvez acquérir cette partie de l'entreprise à un certain prix. Lorsque les premiers dirigeables apparaîtront dans trois à cinq ans, le premier bénéfice, bien sûr, la valeur et la capitalisation de cette entreprise, vaudront déjà des sommes complètement différentes, et vous pourrez gagner de l'argent en vendant votre part que vous acquérez actuellement. Si vous ne vendez pas votre part et que vous la conservez, alors en tant que copropriétaire, en tant qu'actionnaire de cette société, vous pouvez vous attendre à recevoir des dividendes. Environ 50% ou environ 49% de l'argent qui sera distribué sous forme de dividendes sera réparti entre les investisseurs. C'est une somme significative. Nous avons dit aujourd'hui que 1 milliard représente environ 3 ans de bénéfices pour l'entreprise soit environ 370 millions de dollars par an, 370 millions de dollars par an, 370 millions de dollars par an, la société pourra générer cela en tenant compte uniquement des deux hangars construits et de la production en série et vente de deux types de dirigeables. Nous ne prenons même pas en compte les projets commerciaux externes dont parlait Fedor, comme ceux de Roscosmos et d'autres entreprises. C'est un autre revenu supplémentaire. Nous parlons actuellement de l'exécution minimale du projet, disons-le ainsi. Mais bien sûr, lorsque de nouveaux dirigeables apparaîtront, comme nous l'avons mentionné, soit par le biais de financements sous forme de crowdfunding, soit par un grand investisseur, ce seront alors des projets d'affaires distincts, sans dilution des parts des investisseurs actuels. L'entreprise recevra de nouveaux Ellingen, lancera de nouveaux dirigeables, générera des bénéfices supplémentaires et les profits augmenteront. Bien sûr, les investisseurs qui ont investi aujourd'hui, même sans investir davantage ni fournir d'efforts dans la création des futurs types de dirigeables que nous avons discutés, continueront à percevoir ces bénéfices car ils investissent précisément dans la société mère, dans la société principale qui générera des profits dans divers domaines dans le cadre de ce projet et de la société Nova. En conséquence, il est prévu que la société Nova émette environ 1 milliard d'actions, dont environ la moitié sera répartie entre les investisseurs afin que nous puissions vendre ces 500 millions d'actions, ce qui correspond à environ 500 milliards de parts de la société Solar Group que vous recevez aujourd'hui. C'est précisément ces parts que vous échangerez contre des actions de la société Nova après la finalisation du financement et de l'émission d'actions de cette société. Qu'en est-il des remises et des étapes Quelles sont les conditions d'investissement que nous avons aujourd'hui Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en fait en phase de pré-lancement. Au stade de pré-lancement, notre remise moyenne est d'environ, environ, 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 environ 1000. Ainsi, dès que la première étape commencera, ce même escompte sera déjà de 500 en moyenne c'est-à-dire que investir aujourd'hui à ce stade préliminaire alors que rien n'est encore clair, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que le schéma juridique n'est pas encore complètement prêt, que le site n'est pas prêt et qu'il y a de nombreuses questions auxquelles on ne peut obtenir des réponses qu'en participant à un tel webinaire, tout le monde n'y assiste pas bien sûr. Aujourd'hui, si vous faites ce pas, vous obtenez certainement les meilleures conditions d'investissement. Car c'est absolument cela qui justifie le risque que vous prenez aujourd'hui. En effet, de plus, en réalité, les personnes qui investiront dans les mois à venir, une fois la phase de prélancement terminée, n'auront pas cette opportunité. Dans le cadre de la phase de prélancement, nous prévoyons aujourd'hui de lever un montant d'environ 1 million de dollars. Donc, quelque part, en septembre peut-être, en octobre, cette possibilité sera encore là d'autre part nous discutons également de la possibilité de réduire ce montant afin qu'il ne soit pas d'un million de dollars mais moins par conséquent personne ne peut actuellement garantir ou donner de délais précis sur la durée de la phase de prélancement donc si le projet vous plaît si vous y voyez des perspectives il vaut mieux ne pas remettre cet investissement à plus tard d'un côté vous allez certainement sécuriser ces conditions d'investissement d'un autre côté vous comprenez vous-même que le projet a maintenant besoin de financement. Bien sûr, il est extrêmement intéressé à ce que l'argent arrive aujourd'hui, car aujourd'hui un grand nombre de directions très importantes seront prises. Cela inclut le recrutement des premiers employés et la location de bureaux. C'est tout ce qu'il faut pour poser les bases de ce projet. Donc beaucoup dépend de vous ici. En fait, je vais encore une fois vraiment répéter ce dont j'ai parlé lors des derniers webinaires, essentiellement. Les paquets d'investissement que vous prenez aujourd'hui au stade préliminaire ne pourront pas être augmentés. Ils ne peuvent être augmentés que pendant la phase de prélancement. Donc, si aujourd'hui vous avez pris un petit paquet en pensant que dans 6 mois vous l'augmenterez, malheureusement, cela ne sera pas possible ici. En effet, si vous êtes confiant dans le projet aujourd'hui, si vous prévoyez d'investir une somme importante en espérant une augmentation, beaucoup espèrent cela en regardant notre projet précédent où une telle possibilité existait, alors ici cette possibilité n'est pas présente. Par conséquent, je recommande de prendre exactement le paquet d'investissement que vous aviez initialement prévu pour vous-même. C'est aussi très important car après vous viendrez demander une augmentation et il ne sera plus possible de le faire avant. Veuillez noter pour les partenaires que pour recevoir des récompenses de parrainage dans le cadre du nouveau projet, vous devez élaborer un petit plan marketing. Je vous rappelle que le plan marketing est absolument nécessaire pour obtenir des récompenses de parrainage précisément de la part de vos clients, investisseurs qui ont été enregistrés dans le cabinet personnel avant le 7 août, c'est-à-dire essentiellement... Avant le début du nouveau projet d'investissement actuel, si vous enregistrez quelqu'un aujourd'hui, vous recevrez des récompenses de parrainage dans leur intégralité. Il n'y a aucune restriction ici. Mais si vous souhaitez bénéficier de l'ancienne structure qui, soit dit en passant, conserve entièrement tous ses liens, comme nous vous l'avons promis, vous devez effectuer une série de petites actions. Vous devez partager une actualité. Vous pouvez la trouver sur la page d'atterrissage dédiée aux dirigeables dans votre espace personnel. Vous devez prendre un paquet d'investissement d'une valeur nominale d'au moins 2000 000 Vous devez effectuer un paiement réel de 500 Vous pouvez le faire dans le cadre du même package à 2000 000 Ensuite, vous devez remplir l'une des trois conditions que vous voyez actuellement à l'écran. Soit trois investisseurs en première ligne à 500 chacun avec un tel investissement. Soit environ 10 investisseurs, chacun avec des investissements de 50 dollars, soit se débarrasser du travail avec sa première ligne et simplement investir personnellement environ 10 mille dollars. Je ne vais pas m'attarder longtemps, puisque toutes les conditions sont décrites dans l'espace personnel sur la page d'atterrissage. Souvenez-vous simplement que tant que le plan marketing ne sera pas réalisé par nous comme partenaire, vous ne recevrez pas de blocage de référence de vos anciens investisseurs et partenaires du projet des dirigeables de nouvelle génération. Notez également que vous ne voyez aucun crédit, donc vous ne savez même pas combien d'argent a été émis à ce moment. C'est pourquoi je recommande aux partenaires qui travaillent sur ce projet d'exécuter le plan marketing le plus rapidement possible pour ne pas manquer leurs propres revenus. Concernant les positions de départ, pourquoi Nous pensons que ce projet sera financé encore plus rapidement et sera encore plus éclatant que le précédent projet Sovolmash en termes de vitesse de financement. C'est parce que nous commençons avec des positions de départ qui sont complètement différentes. À l'heure actuelle, nous avons une très grande audience, avec plus de 500 000 clients enregistrés dans notre espace personnel. Et même avec l'activité actuelle, nous voyons qu'en principe, même cette audience serait en fait suffisante pour nous financer pour les 1 à 2 prochaines années. Donc, en principe, on pourrait ne rien faire, mais comme nous ne voulons pas nous limiter uniquement à l'audience que nous avons. Nous préparons actuellement une énorme quantité de matériel, de sites, d'introductions sur les réseaux sociaux, de présentations, même cette présentation que vous avez devant vous est temporaire, même ces webinaires que nous animons en ce moment, tout cela est un travail préparatoire. Oui, pour les webinaires que nous aurons, qui seront déjà entièrement développés, bien sûr. Ce nouveau public nous permettra de financer ce projet avec confiance. Et je suis sûr qu'ensemble, nous réussirons tous ici, certainement. Vous pouvez lire le code QR pour accéder à la page de destination, consulter les forfaits d'investissement actuels, les options de paiement échelonnées, les conditions et en savoir plus sur le plan marketing. Amis, chers amis, vous avez aujourd'hui une occasion unique et vraiment exceptionnelle de vraiment soutenir un projet innovant et très intéressant qui émerge ici en Russie maintenant à nouveau en raison de la situation mondiale beaucoup commencent à prêter attention à l'importance d'avoir des technologies propres en Russie lorsque le pays peut s'assurer dans divers domaines et bien sûr les dirigeables sont évidemment l'un de ces domaines qui peuvent certainement développer à la fois l'économie du pays et d'un point de vue économique permettre d'accomplir diverses tâches de manière plus compréhensible, tout en montrant qu'une grande entreprise technologique émerge en Russie, ayant un potentiel de développement à l'échelle mondiale, et aujourd'hui, vous pouvez non seulement aider, je dirais même que ce n'est pas vraiment de l'aide, mais presque tout dépend de vous, de la rapidité avec laquelle cette entreprise se relèvera, mais aussi de gagner avec elle en obtenant une part de ce business. Donc, mes amis, de telles opportunités se présentent extrêmement et très rarement. Sur cela, je propose de passer aux questions. Il y a beaucoup de questions. Fédor, je parlais. Tu as probablement déjà regardé les questions, mais on peut faire comme ça. Je peux, par exemple, lire les questions et tu y répondras pour que le temps soit. D'accord, tu vas lire, je vais répondre. Ne dépassons pas dix minutes. Je ne veux pas me retrouver à l'écart du programme après deux heures. Eh bien, en 10 minutes, nous ne serons probablement pas prêts, mais essayons, passons rapidement là-bas, comme nous pouvons. Et j'ai d'abord ouvert des questions sur la chaîne officielle YouTube des dirigeables de nouvelle génération. Eh bien, voici la première question. Pourquoi Augur n'a-t-il pas pu gagner de l'argent en s'occupant des dirigeables Augur a réussi à gagner de l'argent et il a gagné sur tous les appareils qu'il a produits. Vous pouvez regarder le webinaire qui a eu lieu jeudi dernier. En plus... Il y a des histoires détaillées allant du premier appareil jusqu'au dernier. Ils ont réussi dans tout. Ils étaient commercialement viables. Le fait qu'Augur se soit éloigné est davantage une question de relations humaines, disons, de désirs et d'objectifs personnels. En gros, Augur était commercialement viable. Passons à autre chose. On se demande où nous allons bien pouvoir trouver de l'hélium nécessaire. De plus, il est crucial de savoir exactement de combien d'hélium nous avons besoin pour pouvoir remplir un poids total de 10 tonnes. Cette information ah. est essentielle pour nos calculs. L'hélium doit être pris dans notre pays, en Russie, si l'État est pour notre pays ou pour les pays voisins, ou si ce sont des appareils pour d'autres pays. On peut aussi remplir s'ils ont leur propre hélium. Il n'y a aucun problème avec l'hélium en ce moment. Dans notre pays, même sa production est en cours d'expansion l'extraction, le stockage et d'autres aspects comme les volumes en mètres cubes se chiffrent en dizaines de milliers. En général, même pour la production d'hélium, la logistique est essentielle pour le producteur d'hélium, notamment pour savoir comment vendre cet hélium dans d'autres pays. Il existe un projet bien élaboré pour la livraison d'hélium dans des récipients de Dewar par dirigeable vers des pays d'Asie et d'autres destinations. Si nous pouvons leur fournir ce service, je pense que nous pourrions échanger de l'hélium contre notre travail. Je partagerai des informations sur les mètres cubes dans le chat Telegram. Si vous suivez le projet, vous avez probablement déjà tout trouvé et pris connaissance des détails. Si vous ne suivez pas et que vous n'avez pas trouvé, cela signifie que vous n'êtes pas dans ce chat Telegram. Vous devez rejoindre le chat sur Telegram. Il est probablement mentionné dans la description de cette vidéo et j'y publierai aujourd'hui les deux prochains appareils d'un mètre cube. Ensuite, l'hélicoptère Mi-8 coûte entre 14,5 et 17,5 millions de dollars. Et votre dirigeable, combien cela va-t-il coûter De 20 à 30 et le coût de revient est moins cher que le Mi-8, le prix de sa vente en fonction des différentes variées et diverses fonctions de marché sur le marché. Si c'est un dirigeable pour un usage personnel avec un espace intérieur, cela pourrait coûter très facilement autour de 30. Dans notre groupe sur Telegram, j'ai apparemment partagé une vidéo montrant combien les gens achètent leurs avions privés, les prix sont astronomiques et nous pouvons offrir à une personne même plus d'espace. En gros, j'ai répondu que oui, le coût pour un dirigeable serait similaire ou inférieur, entre 20 et 30. Ensuite, si des sanctions sont imposées, que pourrait-il se passer avec la production et les investisseurs Des sanctions sur quoi Sur la société elle-même Tant que nous avons un pays. J'ai aimé une blague, évidemment, c'est une blague. Et les sanctions ont vraiment eu un impact, tant dans un sens que dans l'autre. Mais la blague est que la Russie a mis le paquet de sanctions dans un paquet de paquets. Et c'est la réalité à laquelle nous faisons face, en ce moment. Il n'y a rien de grave, le monde ne s'effondre pas, mais Instagram a été désactivé. Il est clair que des problèmes avec les capteurs ont commencé dans le domaine des hautes technologies, mais il y a des importations parallèles partout. Le monde avance, d'autres marchés s'ouvrent pendant que ceux-ci se ferment. Si notre entreprise est soumise à des sanctions, comment cela pourrait-il arriver Tout est fait de manière à ce que le dirigeable soit fabriqué à partir de composants provenant soit de notre marché local, soit de marchés qui nous sont vraiment amicaux. Il est fort probable que si nous figurons sur la liste des entreprises fonctionnelles, nous serons encore plus impressionnants. Donc c'est génial. Nous allons tous nous réjouir et courir. Votre entreprise est-elle sur la liste des sanctions Eh bien, moi aussi. Il me semble évident que, en ce moment, probablement toutes les personnes censées qui lancent d'une manière ou d'une autre une entreprise technologique comprennent qu'elles peuvent être soumises à des sanctions. C'est pourquoi, dès le départ, nous y pensons aussi. Mais la chose la plus importante, c'est quoi Les cerveaux ne peuvent pas être soumis à des sanctions. Ce sont ces mêmes personnes des ingénieurs qui peuvent faire décoller ces dirigeables. Donc je pense que oui, nous allons nous en occuper. Et, d'ailleurs, quelques commentaires sur le fait que quelqu'un va prendre quelque chose, les Britanniques vont prendre, et ainsi de suite. Je veux dire que non, nous n'avons pas peur que les Britanniques nous prennent quoi que ce soit. Je peux dire qu'à l'instar du projet précédent, tout le monde disait, vous ne serez pas autorisé, vous n'aurez pas la permission, le lobby pétrolier, les moteurs électriques. Comme vous pouvez le voir, tout a bien fonctionné. Tu fais des efforts, tout fonctionne. Aussi banal que cela puisse paraître, mais c'est comme ça que ça marche et il n'est déjà plus possible d'interdire quoi que ce soit ici. On donne aussi le conseil d'acheter des actions de Gazprom car comme on le dit si ton projet réussit Gazprom produit de l'hélium à Orenbourg qui nous sera nécessaire. Eh bien, c'est normal comme tu le dis toujours pache il faut diversifier les risques si vous investissez dans des dirigeables l'hélium va exploser chez Gazprom par conséquent oui acheter des actions de Gazprom un bon conseil. Il est recommandé de demander un acompte aux arabes, ce qui pourrait être utile pour le financement. En ce qui concerne les questions, peut-on utiliser le vide à la place de l'hélium ou de l'hydrogène Il est impossible. C'est impossible. Ils écrivent à des employés de production. Quand vous recruterez, je voudrais postuler chez vous. Où dois-je m'adresser maintenant Peut-on contacter ceux qui souhaitent travailler dans la future entreprise oui, il est possible de travailler dans la future entreprise si vous intéresse. Il faut soit m'écrire en privé, soit contacter n'importe quel employé de l'entreprise Solar Group en précisant de transmettre à Fiodor ou à Sergueï. Nous allons avoir une conversation, oui. Et pourquoi pas? Nous sommes tous d'accord. Notre porte est ouverte. Si vous êtes du secteur approprié avec les compétences nécessaires et le désir d'aider et de travailler, bien sûr, oui. Oui, d'ailleurs, tous ceux. Qui souhaitent t'aider d'une manière ou d'une autre, trouver un emploi ou proposer quelque chose, peut-être que vous avez un terrain dont nous avons besoin. Vous pouvez même faire cela. Vous pouvez écrire au support technique sur notre site ou dans votre espace personnel et écrire que cela doit être transmis à Sergei Semionov et ils le transmettront certainement ou à Fyodor Konstantinov. Sur le site, il est écrit qu'au départ, c'était 2,5 millions. Et vous dites que c'est jusqu'à 1 million. Oui, c'était initialement 2,5 millions, mais finalement, cela a été réduit à 1 million, c'est vrai. Et je dis qu'il se peut que ce montant soit encore réduit. Ainsi, avec YouTube, les questions de la chaîne officielle sont terminées, je passe à V Contact. Alors, combien de vols suffiraient avec de l'hydrogène ou de l'hélium dans un dirigeable Un nombre infini de vols nécessite simplement un ravitaillement. Il y a un certain pourcentage de fuite qui est de l'ordre d'1% lorsque l'intégrité de la coque est maintenue, avec une fuite d'1% par mois. Tu peux le ravitailler et voler tranquillement. C'est plus compliqué avec l'hydrogène, mais c'est plus facile avec l'hélium. Ils ont bientôt commencé à tourner une vidéo. Ce sera un grand film, une vue d'ensemble sur les coques modernes qui sont justement imperméables au gaz hydrogène et à l'hélium. Avec toutes les enveloppes, nous allons effectivement travailler sur les lieux de leur production. Nous ferons des essais, nous montrerons tout, nous expliquerons tout de manière concise pour qu'il n'y ait plus de telles questions. En gros, avec les technologies modernes, il est possible de retenir l'hélium et l'hydrogène. Ce n'est pas un problème et... Je ne sais pas d'où vient cette idée. Il est fort probable que d'une manière ou d'une autre, il va presque libérer cet hydrogène et cet hélium comme un passoir et tu vas te ruiner avec ces ravitaillements. Non, ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, il est évident qu'il y aura un ravitaillement. Cela fera partie de son entretien technique et l'entretien de l'ensemble de l'appareil à son propre coût. Tout comme l'entretien d'une voiture, c'est là que tu changes l'huile, les plaquettes et toutes sortes de liquides techniques, que tu fais encore quelque chose. Et donc le coût avant le remplissage de l'hélium ne représentera même pas environ 10 du coût de cette maintenance environ ce ne sont absolument pas en fait les dépenses sur lesquelles il faut vraiment prêter attention certainement Alors Helling, il te demande au fait de publier la vidéo où tu voles en dirigeable. Je peux le reproduire. Il est actuellement dans notre chat Telegram en cours de pré-lancement à ce moment-là. On peut cliquer sur les messages épinglés en haut. C'est quelque part dans l'un des premiers jours, dans la première semaine, je peux le republier. Donc, le hangar qui était montré dans la vidéo, je comprends qu'il est à Kirjatch. Pourquoi ne voulez-vous pas simplement y construire Regardez, nous pouvons créer ce premier appareil non officiel là-bas, à Elling, à Kirjatch. Mais il faut construire cette E-Ling a été conçue pour des tâches spécifiques. celle qui était précisément devant l'équipe de développeurs à l'époque, nous avons là-bas à l'asie une dimension conditionnelle du yacht volant, en fait, véritablement. et nous pouvons vraiment y assembler le premier appareil non officiel, y voler, et ainsi de suite. mais tout de même, l'E-Ling c'est comme une production d'assemblage, c'est-à-dire, eh bien, comme un atelier de réparation pour l'entretien technique et autres. Il doit être moderne, c'est comme dire qu'il y a un service pour une voiture Porsche, où il faut l'emmener, et là il y a un équipement adapté à Porsche, un personnel formé, et il s'en occupe tranquillement. Et maintenant la question, est-ce qu'on peut faire entretenir une Porsche dans le garage des gars Oui, absolument, pas de problème, certainement, absolument. Mais pour pouvoir entretenir le Porsche suivant, il est préférable de créer un centre de service adéquat. Parmi les options que tu as mentionnées concernant la terre, je propose également de prendre un hectare du Grand Est comme option viable. Voilà pour les questions. Oui, peux-tu commenter en particulier Oui, je note ce que je dois envoyer sur Telegram. Cela concerne donc les volumes de gaz dans les appareils. Combien de mètres cubes cela occupe-t-il Dupliquer la vidéo de notre vol. Et une vidéo du blogueur. Allez, page, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps On a déjà dépassé presque juste un peu plus de deux heures. Il est 6 heures. Bon, allons-y, oui. Répondons à la question. Rapidement. Je pense que 5 à 10 minutes. Oui. Et nous aurons fini. Alors, concernant la question, combien peut coûter un yacht pour 6 personnes environ Kurban Baran. Combien cela peut-il coûter et combien cela coûtera sont deux chiffres différents, l'un étant factuel et l'autre fantastique. Si l'on mesure en voiture, par exemple, prenons une bonne voiture chère, eh bien, les premiers petits yachts seront généralement produits sous la marque Aorus, et si l'on prend le Aorus lui-même, c'est une voiture, elle a un prix, elle a un acheteur conditionnel. En général, cela dépend de nombreux facteurs. Eh bien, les Arabes, par exemple, ont aussi aimé, même maintenant, la production des ménages là-bas, et il y a des sentiments de panique. Oh, en Russie, ils ont fermé la production d'Aorus, c'est fini, vous voulez fabriquer des petits yachts Aorus Non, tout ne peut que s'améliorer parce que, en gros, parce que, et Aorus a son propre prix. Alors que pensez-vous Combien coûtent les voitures Aorus Combien coûtera environ un petit yacht volant, s'il est comparé aux voitures Aorus environ donnez vos réponses euh, dans le groupe Telegram avec la mention Auruscout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je répondrai alors dans ce même groupe Telegram combien cela coûtera exactement, précisément, en fait, en voiture. Tu demandes dans quelle ville sera situé le bureau d'études C'est Moscou, n'est-ce pas Peut-il y avoir des difficultés avec les transporteurs aériens d'aujourd'hui Le pain, nous le partagerons. Non, non, non. Personne ne partagera de pain avec qui que ce soit. Je dis cela uniquement en complément de ce qui existe, afin que ce secteur commence à ne pas aider à gagner du pain en le prenant, mais qu'il doive se développer, cela prendra des décennies. Pour avancer, c'est une série d'appareils très larges, et pourquoi, pour une raison quelconque, à Norilsk, nous avons établi cela depuis longtemps, et jusqu'à présent, ni le chemin de fer, ni personne d'autre, à part les avions, n'a construit de route là-bas. Eh bien, il y a des tâches où personne ne revendique ce pain, et il est en général impossible de l'obtenir. Nous allons d'abord résoudre ces tâches en complétant ce qui existe et en élargissant globalement les possibilités économiques de tout le pays, ainsi que d'autres pays. À l'avenir, oui, il y aura des luttes entre les secteurs lorsque nous serons déjà grands et forts, mais c'est merveilleux pour l'avenir. Pour l'instant, en ce moment, il s'agit actuellement seulement et uniquement de véritablement coexistence harmonieuse. Alors, les Arabes vont-ils aider à investir dans le projet Oui, ils le veulent vraiment. Et nous préparons tout de même une structure juridique, afin de ne pas être absorbés par un grand capital. Et il y aura du leasing, de la location de dirigeables, c'est bien ça Eh bien oui, encore une idée qui est née en direct en fait. N'est-ce pas C'est intéressant, n'est-ce pas Quelqu'un va probablement louer ses dirigeables, peut-être nous-mêmes, peut-être quelqu'un d'autre, c'est incertain. Tout, en quelque sorte, les outils commencent à se combiner sur un même chantier, comme on dit. Nous vivons... Pourquoi pas Alors, on me demande souvent pourquoi une SARL et pas une société par action. Eh bien, Vladislav, c'est exactement la même situation. Que pour Sobolmash Oui que nous avons déjà discuté en détail auparavant, et cela s'applique ici aussi, sans aucun doute. Actuellement, une SARL est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique et beaucoup plus gérable qu'une société par action au tout début, car dans une société par action, avec plusieurs cofondateurs qui seront également ici, y compris dans la SARL, il est nécessaire de tenir constamment des réunions de ces fondateurs, et toutes les décisions doivent être validées par tous les cofondateurs. En général, cela rend la gestion plus complexe. En général, cette structure est très bureaucratique, mais elle permet de gérer une grande société par action lorsque vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de copropriétaires dans l'entreprise. Lorsque votre entreprise a en fait 5 à 10 copropriétaires à l'heure actuelle et que cela va rester ainsi, car au lieu de milliers d'investisseurs, il y aura un seul Solar Group, dans ce cas, légalement, il est considéré comme un seul copropriétaire. La forme de la SARL est beaucoup plus gérable. Les gens ont simplement en tête que la SARL est quelque chose de bon marché et de facile. Une société à responsabilité limitée, SARL, ne coûte rien. Une société par action, SA, est sérieux. En réalité, créer une société par action n'est guère plus coûteux qu'une SARL. Il s'agit simplement de différentes formes de personnes juridiques. Si nous comprenons que la société par action est ce dont nous avons besoin, nous créerons une société par action. Tout est possible. On demande également s'il est possible de regrouper les forfaits, sachant qu'il y a un forfait de 1000 dollars et un autre de 2000 dollars. Peut-on les combiner maintenant en un seul forfait de 5000 dollars Pour l'instant, pendant cette phase de pré-lancement, c'est possible. Si vous souhaitez maintenant augmenter votre forfait au stade préliminaire, mais que vous avez déjà plusieurs forfaits achetés, vous pouvez vraiment les regrouper en un seul et augmenter ce forfait. C'est possible de le faire. Eh bien, c'est le dernier endroit où nous allons lire les questions. Je suis d'accord, Fiodor, nous sommes en direct depuis très longtemps. Il n'est pas très bon de tenir des webinaires aussi longtemps. D'un autre côté, laisser des questions sans réponse n'est pas très bien non plus, donc je pense qu'il est nécessaire de répondre au moins à ce qui est le plus intéressant. Oui, j'aimerais rapidement ajouter quelque chose. Pourquoi ne pas opter pour une société par action, mais plutôt pour une SARL Nous sommes dans notre pays, dans les réalités actuelles, et personne ici, que ce soit une SARL ou une société d'assurance, ne commence conditionnellement par un start-up. Il est clair que nous pouvons nous appeler une start-up ou parler de renaissance de l'industrie ce n'est pas dans nos habitudes. Nous, en Amérique, il est clair que cela se fait sous forme de société par action. Ils sont en bourse, et là, des actionnaires apparaissent. Là-bas, ce mécanisme fonctionne. Chez nous, ce mécanisme est souvent en incapacité. Nous partons de la réalité et c'est tout. Oui. La chose la plus longue, c'est la certification, n'est-ce pas C'est comme pour les dirigeables Le plus long, c'est en fait la certification, le voyage lui-même. Pour certifier l'appareil et le produire en série dans trois ans, tu dois respecter les normes. De manière rigoureuse et précise, dès le premier jour de l'existence de l'entreprise, tout faire conformément aux normes. Le processus est long. Considère que la certification commence dès le premier jour de fonctionnement de l'entreprise. Nous pouvons, oui, construire un dirigeable dans un an, décoller, mais il est peu probable que nous soyons abattus. Bien sûr, on peut nous gronder, mais ce n'est pas non plus certain. Mais pour obtenir le certificat à la fin, oui, il est nécessaire de suivre la procédure depuis le premier jour et jusqu'à la fin des essais. Les essais en vol eux-mêmes se dérouleront plus rapidement que prévu, en moins d'un an. Au début, diverses commissions viendront vérifier quel logiciel vous utilisez, qui sont les personnes impliquées et quel est leur niveau d'éducation. Pour que ces ordinateurs, ces serveurs soient à l'actif de cette entreprise, et si votre entreprise a une licence, pour obtenir cette licence, vous devez répondre à certaines conditions. Il y a beaucoup de choses à faire avant même les essais de certification pour obtenir le certificat. De plus, cela peut prendre un an, peut-être plus rapidement. Regardez le webinaire précédent. C'est là que Boris Alexandrovitch parlait justement de la certification en détail et en profondeur et des implications. Ensuite, parlons à nouveau des prix. As-tu des informations sous la main Quel est le prix du 10 tonnes inscrit dans le plan Laissez-moi aussi tout envoyer sur Telegram. J'ai ça sous la main. Mais ajoutez-vous sur Telegram ceux qui ne sont pas encore là. Désolé, c'est un outil un peu manipulateur. Je note toutes les questions et je commencerai à les envoyer tout de suite après le webinaire. Quel est le coût de revient d'un voyage de 10 tonnes dans le ciel de manière conditionnelle, n'est-ce pas D'accord, tonnes kilomètre transport tonne-kilomètre. La question était formulée ainsi. Quel est le prix de 10 tonnes prévu dans le plan Eh bien probablement le coût de revient. Ah, c'est noté pour le prix de vente. Nous avons déjà discuté du prix de vente. Son coût de revient est également connu, mais il n'est pas encore utile de le révéler. Je dis que c'est à peu près comme le Fortovet MI8. Hmm. Alors, allez-vous vous occuper du transport de marchandises ou de passagers Eh bien, la réponse est oui, nous le ferons. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. On demande où est le lien dans le chat sur Telegram, celui qui a ⁇ je l'ai envoyé ⁇ Oui, on en a parlé. Mais dans tous les cas, rappelez-vous que si vous ne savez pas comment trouver un réseau social, ou si vous ne savez pas comment contacter Fyodorov, Sergei Seyonov ou quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours écrire au support technique et dire ⁇ J'ai une telle demande, donnez-moi s'il vous plaît le chat ⁇ Et où trouver un support technique, Pavel Expliquez. Oui, le support technique se trouve dans notre espace personnel. En bas, il y a toujours un petit indicateur en ligne qui indique que nous sommes en ligne. Vous devez vous inscrire dans notre espace personnel, il y a sûrement un lien d'inscription quelque part sous cette vidéo, ou vous pouvez simplement taper Solar Group dans le moteur de recherche et le trouver au hasard, il apparaîtra aussi. Vous irez dans votre espace personnel, ne vous inquiétez pas, il y a pour l'instant deux projets et vous devez cliquer sur l'icône du dirigeable pour y accéder et vous arriverez là où vous le souhaitez. J'ai encore une question concernant la durée de vie. Combien d'années un dirigeable peut-il servir comme une voiture Tout dépend encore une fois de qui gère l'entreprise, les marketeurs, les managers ou les ingénieurs. Quand les ingénieurs conduisaient des Mercedes, les Mercedes étaient des voitures à un million. Maintenant, ce sont des managers et des designers qui les conduisent. Tout s'effondre en cours de route. 15 ans sont prévus pour leur exploitation, c'est amplement suffisant. C'est-à-dire qu'il y aura un cycle de 10 tonnes ils doivent être produits et ensuite renouvelés tous les 15 ans. C'est établi ainsi. On peut certainement faire vraiment moins, on peut absolument faire effectivement plus. Tout dépend du talent d'ingénierie et du style de gestion de l'entreprise. La question concernant l'accès au pont de la bourse est-ce prévu Oui, c'est prévu, c'est l'un des moyens l'un des moyens pour que les investisseurs qui investissent aujourd'hui et reçoivent des actions par la suite puissent vendre ses actions. C'est pourquoi la bourse de Moscou est un excellent outil pour cette tâche. Oui, on peut envisager non seulement de s'introduire sur la bourse de Moscou, mais on peut aussi entrer sur différentes bourses dans différents pays. Le projet international est prévu et plus nous nous étendrons, plus cela sera intéressant pour nous tous. Oui, de plus, sur différentes bourses, une entreprise peut être évaluée différemment, donc là où l'évaluation est la meilleure. C'est là où il est possible, en principe, de sortir. Certaines entreprises s'adressent immédiatement aux bourses à bas prix, ce qui est également tout à fait accessible aujourd'hui. Ainsi, en ce qui concerne les questions, en plus de la création de dirigeables, l'entreprise acceptera-t-elle des commandes pour un hangar pour eux Bien sûr, l'infrastructure pour les dirigeables est une partie intégrante de leur fonctionnement. Comme nous allons construire les nôtres, nous pouvons également construire des modèles similaires selon le même projet de manière autonome. Nous avons cela pour les clients externes. Je le répète, un dirigeable peut être stocké à l'extérieur dans n'importe quelle condition climatique. Tout cela est discuté avec le client. S'il dit qu'il se trouve dans un environnement chaud, tropical, nous le développons en fonction de cela. Si c'est dans le nord, cela s'adapte également. Il pourra se trouver à l'extérieur dans les deux cas. Mais la question est de savoir où sera le garage le plus proche pour le faire passer. Sera-t-il pratique de venir d'Afrique ou d'ailleurs Pourquoi ne pas voyager D'un côté, s'il y en a quelques-uns qui s'accumulent, ils peuvent déjà se permettre, une fois qu'ils ont acheté un dirigeable, de mettre un Helling à proximité. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. Et il est très probable qu'ils les acquièrent en supplément du dirigeable lui-même, certainement. Donc, oui, l'entreprise construira des E-Links parallèles et de plus. Et le personnel doit être préparé de ce côté, bien sûr, ou le personnel d'une entreprise spécifique déjà présente là-bas, de manière adéquate. Tout cela est aussi du commerce. Oui, ils écrivent qu'un petit montant de financement est prévu. Est-ce que cette somme sera suffisante pour réaliser un tel projet Veuillez noter que notre tâche, à ce stade précis, n'est pas de créer une toute nouvelle industrie de recharge, mais de quelque peu améliorer l'existante. Au premier stade, l'objectif est de gagner de l'argent sur les deux premiers appareils commerciaux, puis nous occuperons du reste. C'est pourquoi le projet est très ambitieux, grand. Une nouvelle industrie est vraiment en train de se créer, mais elle se construit d'abord en gagnant de l'argent sur quelque chose de simple, puis sur quelque chose de complexe. Un budget tout à fait adéquat, c'est en réalité un MVP sectoriel, c'est-à-dire une cellule commerciale minimale viable, technologique bien sûr, très bien sûr. L'argent que nous collectons pour ce projet représente la cellule minimale, si l'on peut dire. Un organisme qui pourra ensuite se consacrer à l'autodéveloppement et évoluer en quelque chose de plus grand. Si l'on considère l'ensemble du projet, il coûtera beaucoup plus cher avec tous les stratosphériques, les 200 tonnes, de nombreux mailings des entreprises d'exploitation, et ainsi de suite. Mais cette petite cellule pourra assurer sa croissance à de telles échelles. Il est possible que des investissements soient acceptés par la suite, mais ce coût représente le coût de ce MVP. Les critères pour les arrivées aux étapes seront-ils définis Oui, ils le seront. Ils seront définis. Y a-t-il un plan d'affaires formalisé selon les règles ou peut-on le consulter, ou bien. Les plans d'affaires sont prêts, nous allons les ajuster maintenant. J'ai déjà mentionné une fois que je pourrais les publier dans le canal Telegram dans la version actuelle. Mais ensuite, quand nous aurons fait les ajustements, cela se répandra partout, et vous direz que quelque chose ne correspond pas, et nous vous expliquerons alors ce que nous avons déjà annoncé à tout le monde. À savoir que la première étape est l'après-lancement. Ce n'est pas le lancement, c'est plutôt que nous avons décidé de vous montrer comment le projet démarre avant qu'il ne commence. Autrement dit, les projets précédents ont traversé cette étape sans publicité. Nous sommes en train de finaliser il y a un plan d'affaires. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de le partager maintenant attendez juste un peu plus. Et cet automne, le plan d'affaires sera déjà complètement validé. Encore une fois, c'est sa première itération, mais déjà plus détaillée que ce qui est disponible actuellement, bien que même maintenant cela représente plusieurs kilogrammes de papier avec des graphiques, des chiffres et des modèles économiques mathématiques très détaillés. Il y en a déjà, mais en ce moment, cela a de nouveau été construit à partir de zéro, quand un spécialiste travaille de son côté, un autre de son côté, un troisième de son côté, et ainsi de suite. C'est-à-dire que maintenant, nous mettons tout le monde au même endroit, nous nous asseyons à la table, nous discutons encore une fois, nous recalculons tout. En nous regardant dans les yeux, nous nous serrons la main, nous signons, et ce plan d'affaires est déjà solide et rendu public. Ainsi, il demande. D'ouvrir l'augmentation des investissements dont nous avons parlé aujourd'hui, mais nous allons certainement ouvrir la possibilité d'augmenter le paquet que vous avez pris lors de l'après-lancement. Je rappelle qu'avec le passage à la première étape, il ne sera pas possible d'augmenter celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce bouton, vous pouvez simplement contacter le support technique et ils augmenteront votre forfait. Alors, passons aux questions. Il y avait encore une autre question. Donc si je, par exemple, en tant que membre du club 1000, entre dans le dirigeable à la deuxième étape, le coût départ sera-t-il le même qu'au pré-lancement ou cela ne s'applique-t-il pas à cette étape Regardez, nous avons un club de 100 000 et hier, une mise à jour correspondante est sortie. Maintenant, disons, il se renomme en club. Dans le cadre de ce club, il y a maintenant la possibilité d'accueillir autant de personnes qui ont rejoint ce club, environ approximativement. Et dans le cadre de ce club, il y a actuellement maintenant la possibilité pour environ 100 investisseurs de rejoindre le club 100 et environ 1000 investisseurs de rejoindre le club 1000. Mais il s'agit d'un projet de dirigeable de nouvelle génération. Donc, si vous êtes dans le club Solar Group, mais disons que vous êtes une fraise qui a investi dans le projet du moteur 2.0, cela ne s'applique pas au nouveau projet. Par conséquent, pour avoir des conditions pour les fraises, vous devez également investir dans le nouveau projet. Le dirigeable a une très grande surface de voilure. Comment le problème de sa gestion est-il effectivement résolu en cas de mauvais temps ou de vent particulièrement Le problème est résolu par les ingénieurs au stade de la création de cet appareil. À la fin, les ingénieurs ont appris non seulement à lutter contre le vent, mais, et voyager à voler au-delà du système solaire, et des gens volent dans l'espace vers la station spatiale internationale. Et les sous-marins naviguent, et il se passe de tout. Sur la planète, tout cela est de l'ingénierie. L'ingénierie du 21e siècle fait face à tous les défis actuels. Eh bien, il fait ce qu'il peut, bien sûr, mais il s'en sort, si l'on prend en compte que, il y a 100 ans, le Hindenburg traversait tranquillement de l'Europe à l'Atlantique, oh! de l'Europe à travers l'Atlantique vers l'Amérique du Nord, et qu'il y avait toutes sortes de conditions météorologiques au-dessus de cet océan. Et le Hindenburg était immense. Le premier petit yacht de Dystytonique n'est pas du tout le Hindenburg. Et à l'époque, ça fonctionnait, et il n'y avait pas de problème avec la vapeur. Et Hindenburg ne volait pas seul. En Allemagne, il y avait des centaines d'appareils. Ils étaient aussi en Angleterre, en France et dans l'Empire russe. A l'époque, on s'en sortait et maintenant, ces problèmes n'existeront plus. Avant, il n'y avait ni de tunnel aérodynamique où l'on pouvait tout tester, ni de méthode, de calcul informatique pour toutes ces choses. Il n'y a pas de paramètres de données non satellitaires concernant les vents, où ils se déplacent, dans quelle couche, ni d'instruments analytiques spéciaux qui pourraient être à bord pour tous ces vents. En général, il n'a aucune capacité de voilure. Il est évident que s'il reçoit un coup sur le côté, il volera sur le côté, mais il y a 100 ans, on se débrouillait sans ce qu'il y a maintenant, et s'en sortir n'est vraiment pas un problème. Jusqu'à 15 mètres par seconde avec un décollage et un atterrissage sont intégrés directement dans les spécifications techniques de l'appareil. Sa vitesse de parking au sol est de 35-40 mètres par seconde. On peut le stocker à l'extérieur même sans le mettre dans un hangar, bien que par de tels vents, certains hangars soient déjà emportés. En gros, il n'y a pas de problème à ce sujet. Alors, passons un peu aux questions. On dit que si un gros investisseur entre tous les autres, c'est un mot vulgaire. Je ne sais pas pourquoi Alex écrit cela. Au contraire, si aujourd'hui un gros investisseur entre dans le projet, eh bien, certains ne seront pas chanceux, car ils n'ont tout simplement pas eu le temps d'investir dans le projet. Mais ceux qui réussiront à entrer dans le projet avant l'arrivée d'un capital important, nous ne laisserons de toute façon pas entrer de capital important dans la société mère. Elle restera sur le crowdfunding. Un grand capital peut entrer et évincer un investisseur participatif uniquement s'il investit via son espace personnel dans le groupe de suivi. C'est à ce moment-là qu'il a pris et a fermé tout le setup via son espace personnel. Il est un investisseur participatif, simplement avec des parts égales. Ne devrions-nous pas accepter ce paiement Dans tous les autres cas où l'investissement impliquerait non pas un compte personnel, mais plutôt un type de gros capital, je viens vers vous. Dans ce cas... La structure juridique protège complètement les investisseurs en crowdfunding et nous n'accepterons pas de gros capitaux dans la société mère. Oui, bien sûr, nous en avons déjà parlé plusieurs fois et je me souviens que cette peur n'est pas nouvelle pour les investisseurs, qu'un grand investisseur pourrait arriver et nous expulser. Je vous assure que cela ne se produira absolument pas. Il serait très stupide d'agir ainsi de tous les points de vue, donc... Si vous avez eu le temps d'investir, si vous avez réussi à acquérir des actions de l'entreprise, elles vous resteront pour toujours tant que vous ne les vendez pas vous-même. Eh bien, j'ai une question. Je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'un seul employé dans la société AO Aerostatica selon les données de 2023. Parce que la société par action aérostatique ne mène pas d'activité commerciale, elle est non lucrative et personne n'y est embauché il n'y a pas de quoi payer des salaires l'entreprise est très ancienne elle a vraiment de nombreuses années là-bas une vingtaine beaucoup vraiment vraiment autrefois c'était rentable maintenant ce n'est plus le cas tout est comme d'habitude en gros et la dernière question qui est un peu haineuse mais en réalité intéressante et en fait vraiment intéressante pourquoi personne ne veut donner de manière significative d'argent des grands investisseurs et pourtant de ces grands investisseurs on veut encore le maximum de prestations, comme chez Duinov. Pourquoi tout le monde en bénéficie, sauf certainement Solar Group C'est-à-dire qu'une personne semble dire pourquoi les grands investisseurs ne donnent pas d'argent à Solar Group alors qu'ils en donnent à d'autres. Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, nous avons des investisseurs qui ont investi plus d'un million de dollars, donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas de grands investisseurs. Eh bien, seulement si pour vous, en fait, un million de dollars ou un million et demi, ce n'est pas de l'argent. Deuxièmement, à qui d'autre le donne-t-il Malheureusement, nous étions à la présentation d'une entreprise qui vient également de faire son entrée sur la bourse de Moscou, qui est active dans le secteur spatial, également issu du secteur technologique. Peut-être ne vaut-il pas la peine d'en parler. Ce sont de bons gars. Je veux seulement parler du contexte de ce par quoi ils ont commencé leur présentation. J'ai aimé ils sont sortis et ont dit pourquoi nous attirons des fonds via la bourse de Moscou auprès d'investisseurs privés. Parce que, malheureusement, il n'existe pas de marché du capital risque en Russie. Malheureusement, pour certaines entreprises émergentes, je ne parle pas d'entrepreneurs débutants, mais simplement de quelqu'un qui commence une nouvelle entreprise et elle est technologique, elle a des bases, elle a des brevets, tout ce que vous voulez, mais cette entreprise n'a pas derrière elle un bien immobilier ou un capital statutaire, de milliards, au moins des roubles, un milliard de roubles sans raison, ça fonctionne comme ça chez nous. Pour le crédit, c'est la même chose, tu ne peux pas obtenir un milliard de crédits. Et donc ces entreprises technologiques, ces équipes d'ingénieurs, elles sont justes. Fédor, tu vas probablement mieux me dire ce qui leur arrive. Ils sont assis et... Eh bien c'est une chose, oui, ensuite, non, pourquoi Quelqu'un court tout seul, tout en sueur, tout lui réussit, il y a des diamants comme ça, mais pour la plupart, c'est vraiment du travail acharné. Les seuils dans différents fonds de divers business angels révèlent que, d'une certaine manière, tout le reste est réellement mort sur le marché du capital risque à ses stades initiaux. Oui, mais comme Pache l'a dit, nous semblons aussi nous occuper de capital risque. Un million de dollars nous a été apporté. Et pour ce type de financement quand nous parlons d'un certain financement de capital risque, quand il n'y a encore rien et que tout se crée, disons, sous vos yeux, à ce stade, en Russie, il n'y a pas de tels capitaux ou alors ils sont très, très rares. Même l'État ne veut pas prendre de risque tant que tu ne trouves pas toi-même un investisseur quelque part. Voilà comment cela est organisé chez nous. C'est pourquoi nous avons déjà prouvé que de tels projets peuvent être financés par le crowdfunding. Vous voyez vous-même comment cela naît, comment cela se réalise, et c'est un excellent outil qui aidera cette entreprise à se développer en Angleterre. Vous le verrez par vous-même. J'espère que vous participerez, c'est tout. Les questions ne sont pas encore terminées, je ne vais pas relire, parce que je paie pour tout le monde. Il est déjà une heure et demie, nous avons battu le record de durée. Oui, mais je tiens à souligner avec joie qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de spectateurs, de nombreuses questions sur toutes les plateformes, sur YouTube et sur VK. Ce qui est réjouissant, cela montre que le projet intéresse les gens, ils viennent à nos présentations et posent plein de questions. Un grand merci pour votre soutien, venez à nos webinaires, il y aura beaucoup de choses intéressantes. Le prochain sera vendredi et il sera consacré à des informations moins basiques, mais plutôt aux nouvelles sur ce qui s'est passé. Comme toujours, par tradition, il y aura une continuation de la présentation de l'équipe technique et des réalisateurs. Ce vendredi, il y aura aussi un invité. Attendez les annonces pour savoir qui sera là et de quoi nous allons parler. Et si vous n'avez pas regardé le webinaire de vendredi dernier, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pendant ce webinaire, regardez-le aussi, c'est vraiment génial. Nous avons discuté de la certification, d'augure, de sa vie passée des appareils d'aérostatique. En gros, regardez. Et pourtant sur Telegram, rejoignez-nous. Abonnez-vous à ce que nous avons sur VK, YouTube, cherchez. Nous construisons tout cela. Tout est au tout début, donc le soutien est nécessaire. Oui, le soutien est absolument nécessaire. Donc je suis sûr que nous l'avons et que nous l'aurons certainement à l'avenir. Voilà, nous pouvons conclure. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé, je vous rappelle de mettre un like, de partager et d'envoyer ce lien à un ami qui ne connaît pas encore notre projet, peut-être dans un chat d'investisseurs. Ces webinaires sont justement conçus pour que vous découvriez des informations à ce sujet, que vous en parliez à d'autres et que vous partagiez le lien, assurez-vous de le faire. C'est tout pour le moment, venez vendredi. Le lien sera dans nos sources officielles. Au revoir à tous.